serait retiré. Proposé, Madame la Présidente, avec la modification. Merci. Alors, Monsieur Denault, oui? Un point ajouté, si vous me permettez, s'il vous plaît. Ajouter un point à l'ordre du jour de la séance? Centre de foire. Ça prend un appui. Projet de résolution? On a pas un appui pour M. Denault? Moi, j'ai proposé l'adoption de l'ordre du jour, mais elle n'a pas été. C'est que s'il n'y a pas de dossier, vous pouvez en traiter lors de votre message des conseillers, mais s'il n'y a pas de sommaire. Merci. Parfait. Alors, lecture et adoption du procès-verbal numéro 6. Non, moi, je n'ai pas entendu personne appuyer. Madame L'Espérance appuie. Donc, lecture et adoption du procès-verbal, notre séance numéro 7 du 3 avril. Je propose. Monsieur Marc Denault propose. Appuyer. De l'appuyer. De Madame Danielle Berthol. Au niveau du comité exécutif, procès-verbal du 27 mars. Propose. Madame Chantal L'Espérance. Je l'appuie. Appuyée par Madame Danielle Berthol. Dépôt du procès-verbal du 3 avril. Je le propose. Et j'appuie. Donc, Madame Danielle Berthol, appuyée par Madame Chantal L'Espérance. Pour les conseils d'arrondissement, en commençant par l'arrondissement numéro 1, dépôt du procès-verbal du 26 février. Je propose. J'appuie. Annie. Annie, appuyée de M. Julien Lachance. Arrondissement numéro 2, dépôt des procès-verbaux des 22 janvier et 26 février. Je vais le proposer. On appuie. M. Vincent Boutin, appuyé par M. Pierre Havard. Arrondissement 3, dépôt du procès-verbal du 27 février. Je propose. M. Claude Charron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Danielle Berthol. Arrondissement 4, dépôt du procès-verbal du 26 février 2018. Propose le dépôt. Mme Chantal L'Espérance. Appuyé. Propose. Appuyé par Mme Karine Godbout. Corporation, comité et groupe de travail, en commençant par le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 21 mars 2018. Je le propose. Mme Danielle Berthol. Je vais appuyer. Appuyé par M. Vincent Boutin. Et enfin, l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke, le procès-verbal du 22 février dernier. Je vais proposer. M. Rémi Demers, appuyé par M. Pierre Havard. Nous sommes maintenant à la période de questions des personnes présentes. Donc, j'inviterai M. Samuel Paquette. Et le prochain sera M. Pascal Cyr. Donc, la procédure, je vous la donne. Veuillez vous identifier en vous nommant et indiquer votre arrondissement. Si vous représentez un groupe ou une entreprise, vous devez déléguer un représentant. Le sujet doit être d'intérêt municipal. Les questions doivent être adressées à moi-même. Il s'agit d'une période de questions et non d'un débat. Et vous disposez de 5 minutes pour votre intervention. Et nous avons ajouté, justement, suite à une de vos demandes, un timer qui va faire en sorte que vous allez pouvoir voir devant vous le temps qui s'écoule. Alors, allez-y, M. Paquette. Salut, Samuel Paquette, Fleurmont. Je vais commencer. J'avais 4 questions, mais finalement, j'ai été capable d'en aborder 2. 2 questions qui ne m'ont pas été répondues il y a 2 semaines, puis que j'avais relancé à partir du site Internet de la Ville au début de la semaine passée, le fait que comme il n'était pas. J'avais 2 questions, bien 4 questions pas répondues. Fait que la première, c'est, j'aimerais savoir si les citoyens ont des périodes de questions pendant les conseils municipaux spéciaux ou juste pendant les conseils municipaux normaux, comme c'est le cas en ce moment. La deuxième question, les feuilles d'ordre du jour puis tout ça, là, je vous avais demandé si ça serait possible d'en mettre une petite, peut-être 50-50 dans l'autre pièce pour qu'on puisse les lire, parce que quand vous ouvrez les portes, on a peut-être 2-3 minutes pour les s'asseoir, puis ça commence, ça on n'a pas d'aller. Ah, ben, je ne l'ai pas vu. Il faudrait peut-être les mettre plus visibles. Mais sinon, merci de l'avoir fait. Troisième question, excusez que j'ai oublié il y a 2 semaines. J'aimerais savoir si ça serait possible de mettre une distributrice d'eau. Ben, non, on devrait voir à l'autre côté. Parce que, dépendamment, si on vient en auto ou à pied, on a 3-4 escaliers à monter, puis l'été, il va faire chaud. Je suis pas sûr qu'il y aura plusieurs citoyens qui vont aimer ça en avoir une. La quatrième question, j'aimerais savoir. Pourquoi que la présidente n'aime pas que les citoyens viennent poser des questions ici au conseil municipal en personne, puis leur suggère plutôt d'aller les poser par téléphone ou par leur site Internet ou en allant voir notre élu secteur ou notre bureau d'arrondissement?
Là, monsieur Paquette, là, je sais que vous voulez dire plusieurs mots en même temps, là, parce que vous êtes stressé peut-être par le temps, mais on a de la difficulté à vous suivre. Là. Donc, répétez le dernier bout de votre intervention. Là. Je vais recommencer. Pourquoi la présidente n'aime pas que les citoyens viennent poser leurs questions à personne ici au conseil municipal? Ils les envoient plutôt sur le site Internet de la ville ou par téléphone ou par le bureau d'arrondissement ou notre élu du secteur pour poser nos questions. Il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine de raisons pourquoi les citoyens viennent ici. Je vais vous en nommer trois que moi je trouve importantes. Démocratie, politique puis visibilité. Ce que je veux dire par démocratie, c'est qu'à part aller voter aux quatre ans ou peut-être faire des pétitions, le conseil municipal est pas mal la seule place où on peut exercer notre démocratie municipale. Politique, ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une démocratie représentative, mais à la base, une démocratie, c'est le pouvoir par le peuple pour le peuple. Fait que moi, je suis pas élu, c'est vous les élus, mais à la base, c'est quand même une démocratie. Puis le fait de venir poser des questions ici, dépendamment des questions qu'on pose, les injustices qu'on combat, des choses comme ça, c'est un petit peu de la politique. Puis je trouve ça important que les citoyens puissent s'impliquer dans leur politique municipale. Ce que je veux dire par visibilité, c'est que par téléphone, par le site Internet, il va y avoir juste une ou deux personnes, des employés, fonctionnaires quelconques, qui vont avoir nos questions ou nos plaintes, à moins qu'on s'adresse à nos élus par email ou par téléphone. Tandis quand on vient ici au conseil municipal, on s'adresse à toute la population, aux élus, aux maires, aux médias, aux citoyens qui viennent ici en personne ou qui nous regardent à la télé ou en voie de diffusion. Puis le fait de poser des questions, puis interroger sur des choses, ça crée plusieurs choses. Ça peut faire des brainstorming, des remue-ménages en français. Les élus peuvent connaître le pouls de la population sur certaines choses. Puis aussi les politiciens et les médias, ils disent à chaque année, à chaque élection, qu'il y a toujours de moins en moins de monde qui vont voter aux élections, qui s'intéressent à leur politique. Mais c'est sûr que si on ne se sent pas les bienvenus, il n'y a personne qui va venir s'intéresser à leur politique puis à leur démocratie municipale. Fait que je trouve que vous devriez être content qu'il y ait des personnes qui viennent poser des questions, même si vous n'avez pas les questions. Mais la cinquième question, j'aimerais savoir pourquoi la présidente, puis aussi un petit peu le maire, sont injustes envers certains citoyens puis font du favoritisme envers d'autres. Je parle en rapport aux 5 minutes de temps de parole. J'ai vérifié les deux derniers conseils municipaux, puis j'ai pris en note, j'ai pas pris en note au nom des personnes, mais j'ai pris en note le temps de parole. Il y a du monde qui parle pendant 6, 7, 8, 9 minutes. Il y a du monde qui, après leurs 5 minutes, même la présidente leur dit votre 5 minutes est terminée, mais ils posent quand même leurs questions. La présidente lui répond, les élus répondent. Tandis que d'autres personnes, comme je vais prendre moi-même en exemple, quand je dépasse la 5 minutes d'un simple mot, on me coupe la parole puis on me sermonne comme si j'étais un bébé là-là. Il y a des questions que vous n'aimez pas, mais vous êtes là pour les répondre. Si vous n'aimez pas la démocratie, bien, changez de métier. Puis juste une parenthèse, il y a un mois, la présidente m'a donné 1 minute et demie de temps de parole de plus pour 6 minutes et demie, la fois que j'avais des questions sur le jus de betterave. Quand j'ai vérifié les citoyens qui avaient dépassé le temps de parole, il y a un mois, j'étais juste avant eux, j'ai fermé les yeux. Mais, tu sais, comme 4 fois depuis les deux derniers conseils municipaux que du monde ont soit dépassé à 5 minutes, ou soit, en plus de dépasser, ils ont posé plusieurs questions. Fait que j'aimerais savoir pourquoi que le président et le maire sont injustes et font du favoritisme. Puis aussi, une dernière question, si la présidente a l'intention d'arrêter de faire ça. Merci. Alors, pour la période de questions durant le conseil municipal spécial, oui, les personnes peuvent s'adresser, mais il faut que ce soit en lien avec le sujet qui est inscrit au conseil municipal spécial. Donc, ils ne pourraient pas, comme vous le faites présentement, à la période de questions lors d'un conseil municipal régulier, parler de n'importe quel sujet. Ils pourraient nous questionner sur le sujet ou les sujets qui sont à l'ordre du jour du conseil municipal spécial. Tout à l'heure, on a déjà répondu au fait qu'une de vos demandes était de mettre les ordres du jour de l'autre côté de la salle et de ce côté-ci, donc ça a déjà été fait. Pour ce qui est d'avoir un abreuvoir, je pense qu'il y a des citoyens que je vois arriver avec leur bouteille d'eau ou n'importe quel breuvage, sauf de l'alcool, bien entendu. Là. Donc, je ne pense pas qu'on va mettre un abreuvoir de l'autre côté de la salle parce qu'il y a des escaliers à monter ou qui pourraient faire chaud. De toute façon, il y a l'air climatisé l'été aussi. Bon, là, vous inférez que j'aime pas que les personnes viennent à la période de questions.
Je vous soumets très humblement que depuis que je suis ici et que j'agis à titre de présidente du conseil municipal, la période de questions peut parfois durer jusqu'à 2 heures parce qu'on laisse la possibilité à toutes les personnes qui souhaitent être entendues pouvoir le faire. Et justement, pour le permettre, ben, il faut statuer que chacune va avoir un temps de 5 minutes qui va leur être alloué. Bien sûr, ça arrive que ça va dépasser un peu, ce qui est votre cas présentement, mais j'essaie d'user de discernement. Et parfois, quand c'est la première fois que quelqu'un vient et qu'il y a un petit peu de malaise parce que c'est vrai que c'est imposant de venir ici, bien, ça va arriver que d'un commun accord, on va peut-être permettre un petit peu de finir l'intervention pour s'assurer qu'on comprend bien ce que la personne veut nous dire et s'assurer d'y répondre. Donc, j'ai aucun problème avec le fait que toutes les personnes qui souhaitent être entendues viennent le faire durant la période de questions. C'est justement pour ça que c'est prévu. Cependant, ce que je disais l'autre fois quand vous êtes venu, c'est qu'il y a certaines interventions que des citoyens viennent nous faire et que s'ils attendent à chaque, donc le premier lundi du mois et le troisième lundi du mois, pour venir nous adresser leurs questions, parfois, soit qu'ils passaient directement par le bureau d'arrondissement ou par téléphone au 5858 ou directement auprès de leur conseiller de district, ils pourraient parfois plus rapidement avoir une réponse à cette question-là parce que ce n'est pas nécessaire qu'ils attendent à la période de questions 2 fois par mois pour venir nous l'adresser. Donc, le 5858, c'est sûr que c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et effectivement, les bureaux d'arrondissement sont ouverts tous les jours de la semaine. Et les élus sont rejoignables également facilement par courriel, par téléphone, tous les jours de la semaine. Et pour ce qui est justement de ce que vous dites, encore là, que vous inférez que les gens ou que moi, je ne demande pas que les gens sont les bienvenus à l'hôtel de ville, bien, encore une fois, je vous dirais que ils sont tous les bienvenus et ils ont juste à inscrire leur nom, dire c'est quoi leur sujet et ils vont pouvoir être entendus, peu importe le nombre de personnes qui inscrivent leur nom. Comme je vous le dis, c'est déjà arrivé que ça dure plus de 2 heures, la période de questions. Donc, j'imagine que si les gens, depuis qu'on est entré en poste en novembre, viennent à tour de rôle à chaque période de questions, en quelque part, je comprends qu'ils sentent la bienvenue. Sinon, ben, ils ne viendraient pas en aussi grand nombre, justement, durant cette fameuse période de questions. Alors, voilà, M. Paquette. J'inviterai maintenant M. Pascal Cyr. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Bonsoir. À l'Hôtel de Ville. Moi, Madame la Présidente, j'ai été regardé dans les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil en date de décembre 2017 et également dans les fonds dont les conseillers, conseillères peuvent disposer pour faire de la recherche, etc. Et je suis tombé sur la déclaration de Madame Annie Godbout. Et évidemment, il y a des... Ça suscite quelques questions, parce que Mme Godbout, dans sa déclaration d'intérêt, elle occupe le poste de consultant solution with business. Et en date de 2014-08-1, Mme Godbout a attribué un contrat à cette entreprise-là pour la réalisation du blog La conseillère municipale, mise à jour technologique et création graphique, hébergement annuel du site web et réservation des noms de domaine. 712 $. Et un autre contrat, 2016-08-30, réservation du nom de domaine et hébergement de mon blog, 388 $. Je trouve ça cher pas mal, là, mais en tout cas, c'est pas des gros montants, Madame la Présidente. C'est des petits montants, mais c'est d'autant plus questionnable. Parce que c'est à se demander si Mme Godbout estime que les conseillères et conseillers sont pas assez payés. Et en plus, il y a la question, c'est pas illégal en tant que tel, mais il y a quand même la question éthique là-dedans. Là. Est-ce que c'est bien éthique de s'attribuer à soi-même des contrats à une entreprise dont on est la directrice exploitation et la deuxième actionnaire?
Bon, moi, c'est la question que je me pose. J'estime que c'est un peu... Il y a un peu de confusion là-dedans. Et l'autre question que je pose, c'est à savoir, là, Mme Godbout s'en va en campagne électorale, c'est bien. Je lui souhaite la meilleure des chances. Mais pendant le mois où elle va être en campagne électorale, est-ce que nous, à la ville de Sherbrooke, on va continuer à payer son salaire ou bien si elle va prendre un congé sans solde ou faire comme certains conseillers, conseillères avaient fait dans le passé, c'est-à-dire verser le salaire à un organisme de charité? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça ne marche pas, ça? Est-ce que ça a fonctionné? Ben non. OK. Marco, peut-être qu'on pourra aller vérifier. Parce qu'on l'a essayé tout à l'heure et ça fonctionnait. Mais s'il n'y a pas pesé sur le bouton. Oui, mais il faut peser sur le bouton activer. OK. Il aurait fallu le dire. Je peux recommencer? Mais je peux vous dire que vous avez fait 2 minutes 30. Donc, vous étiez... J'ai battu mon record. Dans les temps. Bon, étant donné que c'est à vous, Mme Godbout, est-ce que vous souhaitez répondre? Ben oui, écoutez, je peux tout à fait répondre. Au niveau du site d'hébergement du site web que vous faites référence, je travaillais avec deux agences aussi, le Luby et chez Axial. Et au niveau de l'hébergement, c'était des frais, effectivement, de 300 $ par année. La valeur des noms de domaine aussi, c'est les valeurs qui sont au niveau des marchés. Donc, il n'y a pas eu d'abus de ce côté-là. Ensuite, effectivement, il y a eu une banque d'heures pour des mises à jour de site web. Maintenant, l'entreprise avait des employés à payer. J'aurais peut-être pu traiter directement avec les sous-traitants, mais j'étais transparente c'était par l'entreprise que ça a été fait. Donc, j'ai agi en toute transparence et c'est dans les prix du marché. Mais trouvez-vous ça moral de vous attribuer à vous-même des contrats? Monsieur Pascal C. Excusez-moi, madame. Il y a des frais, il y a des frais d'entreprise qui sont liés à ça, là. Oui. Donc, voilà. Il y avait une deuxième question, madame. Et puis, oui, ce sera un congé sans solde que je vais prendre. Je vous remercie. J'inviterai maintenant monsieur Hubert Richard. Fait qu'on est responsable du départ, ou? Ben, en fait, c'est pour constater qu'on on a le même 5 minutes. Okay. Je me présente, Hubert Richard, de l'arrondissement Fleurimont. Bonsoir, chers membres du conseil municipal, chers représentants de la ville. Pour faire suite à ce que M. Deneau a apporté, il a signalé une belle carte vermeilleuse pour faire la promotion de la STS. Moi, j'aimerais ça parler de gratuité, puis en commençant par la vermeilleuse. Je trouve que d'avoir la vermeilleuse gratuite jusqu'au mois de juin, c'est une belle carte de visite pour les gens qui ne prennent pas l'autobus, de pouvoir s'enregistrer, au cas où, peut-être, mettre un peu d'argent dedans, mais on n'est pas obligé de mettre de l'argent dans la vermeilleuse pour pouvoir l'activer. Puis, je ne sais pas combien ça coûte, ça a peut-être un certain prix, mais ça serait un beau... Bel objectif de la ville d'avoir le plus de monde possible qui s'enregistre prendre leur carte la vermeilleuse. Si éventuellement, on a l'intention aussi d'utiliser la vermeilleuse comme une carte pour la bibliothèque ou pour d'autres activités au niveau de la ville. Fait que d'étendre la gratuité de la vermeilleuse sur toute l'année pourrait être une façon de à peu cher pour amener du monde au transport en commun. Mais monsieur, madame la présidente, c'est vrai que c'est à vous qu'on doit adresser les questions. J'aimerais intervenir par rapport à ce que souvent on me répond quand on dit la gratuité, ce n'est pas dans nos plans parce que nous, on veut plus d'investissement dans les autobus, fait qu'on veut plus d'argent. Donc, ce n'est pas question de rendre gratuit le transport en commun. J'aimerais juste rappeler que pour pouvoir amener plus de monde dans les autobus, effectivement, il y a une norme dans le métier, c'est que si on met 1 million de kilométrage, on va avoir 500 000 d'achalandage. C'est à peu près, c'est souvent cette norme-là que ça répond. Ce qu'ils ont remarqué dans les villes où est-ce qu'ils ont mis la gratuité, c'est qu'au lieu de mettre 1 million de kilométrage, on en met un peu moins, mais avec l'effet de la gratuité, ça booste les taux d'occupation des autobus. Ça a comme un effet multiplicateur
pour amener les gens à utiliser le transport en commun. Puis ce côté-là n'est pas nécessairement vers un processus de manquer de l'argent. Souvent, ce processus-là d'amplifier le réseau d'autobus, son kilométrage puis l'achalandage avec la gratuité, va amener d'autres partenaires à s'investir. Puis, ça serait important d'y penser parce que la ville de Sherbrooke et plusieurs autres villes du Québec ont des baisses d'achalandage assez importantes, surtout Saguenay, pratiquement 20% depuis 10 ans. Sherbrooke, c'est plus de la stagnation. Mais la gratuité pourrait être une belle initiative de la part des villes de région. En fait, toutes les villes, à l'exception de Montréal, OK, ont la misère à avoir du financement de Québec. Montréal reçoit des millions, des milliards presque pour les différents réseaux comme le métro, là, ça va être le train. Puis, les régions n'ont pas cette attraction-là. De commencer à avoir la gratuité payée par le gouvernement pourrait être déjà une belle chose pour les villes. Mais pour ça, il faut le demander. Puis tant qu'à parler des choses à demander, monsieur, madame la présidente, excusez-moi, mais je voulais m'adresser au maire et au conseiller ici, spécialement à madame Evelyne Baudin, la responsable du côté social. On est en train, parlant de train, on est en train, OK, de se faire à l'idée de donner 3,2 millions au promoteur Train Offered. En fait, l'ensemble des pouvoirs collectifs sont en train de se faire à l'idée de cette belle idée de mettre 58 % de fonds publics dans un projet privé d'à peu près 90 millions. On sait qu'on va le faire. La seule chose que je dis, OK, quand je vous parle de ce fameux 5 % des places assises, si on ne le demande pas aux promoteurs que pour les personnes moins bien nanties qui ne sortent jamais de Sherbrooke, si les villes ne demandent pas que 5 % des places de ce train-là nous seraient données en billets gratuits, ben on ne l'aura pas. On va dépenser 3,2 millions pour avoir un beau train, oui, avec tous les côtés positifs de ça. Mais le promoteur, il est ouvert à l'idée, là. Mais si on ne le demande pas, je ne vois pas pourquoi on ne le demanderait pas. Je veux dire, on se demandait plein de questions, pourquoi les gens se suicident à Sherbrooke, puis pourquoi c'est donc bien plate. Bien, c'est une des raisons, souvent, quand les gens sont pauvres, une des raisons qui est vraiment démoralisante, c'est que les gens sont emprisonnés dans un carquois qui la mobilité. Ils n'ont pas de mobilité. De leur offrir la chance de sortir de Sherbrooke, ce n'est pas négligeable. Madame la présidente. Merci, Monsieur Richard. Donc, peut-être pour Vermeil, M. Deneau, vous allez peut-être vouloir réagir. Merci de vos propos. Je pense que la STS a fait beaucoup d'efforts justement pour la rendre accessible, la merveille, justement en ouvrant deux sites temporaires pour aller chercher la carte. Et en plus que d'avoir les trois sites qu'on a déjà en permanence, on profite de cette minute pour... Les gens ont deux sites au Carrefour de l'Estrie, à la Place Belvédère, à la STS, ici sur la Wellington. Donc, la gratuité, elle est là, mais elle est là jusqu'au 1er juin. Donc, d'aller de l'avant, sans ça, je pense qu'on fait déjà un effort en tant que société. Puis, je pense que l'opportunité, les gens s'en saisissent parce qu'on a rendu environ 1500 personnes sur 6000 qui ont déjà adhéré. Et en plus, le système, il est plus efficace. Il n'y a pas de file d'attente, ces choses-là. C'est sûr que... Ce n'est pas la première fois qu'on vous entend sur la gratuité. Puis nous, on gère des deniers publics. La Société de transport, dans son budget actuel, c'est 46 % du budget qui vient des taxes des Sherbrookois. Et quand les gens prennent le transport en commun, bien des fois, les gens peuvent critiquer sur la tarification. Les gens payent seulement 33 % de la facture. Le reste est acquitté par des taxes municipales ou des deniers qui vont venir du gouvernement provincial. D'aller avec une gratuité, oui, il va y avoir une augmentation d'achalandage. Nos partenariats, il faut se rappeler, on a des partenaires qui investissent déjà beaucoup d'argent. Entre autres, l'Université de Sherbrooke, on parle de tout près de 2 millions de dollars de contributions qui viennent des étudiants avec l'accessibilité universelle, qui ferait en sorte, du jour au lendemain, on couperait ces revenus-là. Et aussi, c'est un petit peu avoir deux discours, alors qu'on demande au gouvernement du Québec de nous donner plus d'argent pour offrir plus de dessertes et plus de fréquences. Ça irait à l'encontre de dire, bien, regarde, on veut avoir plus d'argent, mais nous autres, on veut des engagements des utilisateurs qui payent environ 33 %. Et
Je pense que c'est un avis qui est partagé par l'ensemble des gens du conseil d'administration de la Société de transport. Qu'est-ce qu'on va y chercher? C'est plus de fréquences pour accepter que le transport commun devienne encore plus intéressant et accessible en tout temps. Au point de vue tarification, je pense qu'on vient de se mettre en place avec la carte à puce, la merveilleuse, un instrument qui va pouvoir nous donner une flexibilité sur la tarification à certains moments ou pour certains événements ou certaines catégories de personnes. Donc, tout ça mis ensemble, le discours, c'est oui, on veut plus de transport en commun, on aura plus de fréquences, mais ça nous prend des revenus autant du côté des utilisateurs que du gouvernement du Québec et de la Ville de Sherbrooke. Puis, pour ce qui est de la dernière demande, on en prend note de vos commentaires là, pour ce qui est de la gratuité du train Montréal-Sherbrooke pour les moins nantis. Une fois qu'on aura nous-mêmes pris une décision à savoir si le projet se fait, puis quand il se fera, bien, c'est quelque chose qui pourrait être porté à l'attention là, du promoteur. Merci, M. Richard. J'inviterai maintenant M. Denis Pellerin. Excusez-moi, Mme la présidente, j'ai commis un impair. Ce n'est pas à partir du 1er juin que les gens doivent payer pour la merveilleuse. C'est à partir du 30 juin. Parfait. Merci. Bonsoir. Guy Pellerin, arrondissement numéro 4, l'autre quartier. Je vous ai déjà dit, Mme la Présidente, j'avais un profond respect pour vous. J'espère que vous vous souvenez, oui. Comme j'ai un profond respect pour tous les membres du Conseil, à des degrés divers, mais positifs. Lors de ma dernière intervention, j'avais soulevé le point que des documents étaient souvent déposés sur place, un peu en urgence, puis que, principalement, les nouveaux élus n'ont pas beaucoup de temps pour s'informer, réfléchir sur les questions. J'ai retrouvé dans les vieux procès-verbaux, qui sont encore disponibles en ligne, certains d'entre eux, en tout cas, de l'ère Perrault. Une de mes interventions. Une de vos interventions. Au dossier C.M. 2009-5674-03, vous pouvez le googler, dans lequel vous vous reprochiez à l'administration précédente, donc pas la dernière, l'autre avant, de souvent avoir ce réflexe-là de déposer des documents un peu à la dernière minute, parfois des documents imposants. Je pense que ça référait à quelques projets majeurs, dont le centre de foire. Mais ça semble être plus facile à concevoir quand on est assis en bas que quand on est assis en haut. J'en reviens à la restructuration des ressources humaines et de la permanence des gens on appelle ça un service de l'optimisation maintenant. Je ne sais plus, là, ça a changé tellement de fois. J'aimerais savoir c'était quoi l'urgence de présenter ces deux points-là sous pli privé, je pense, ou quelque chose comme ça, et à la dernière minute. En espérant qu'on va donner plus de temps pour les gens de se faire une tête à partir des documents. Je n'ai pas parti votre bidule ici, là, je vous fais confiance, vous allez m'arrêter à un moment donné. Mais j'aurais terminé si vous répondez à la question. C'était quoi l'urgence dans ces deux cas-là? Est-ce que vous avez terminé? Bon. Alors, oui, j'ai revu ma question, ma déclaration là, de 2009. Puis, force est de constater que ça arrive encore. Puis, je pense qu'il faut forcer d'admettre aussi que ça va parfois encore arriver. Cependant, il ne faut pas prêter de mauvaises intentions nécessairement quand ça arrive à ceux qui déposent des dossiers sur place. Tout comme ça nous arrive, nous aussi, de lire nos documents un petit peu à la dernière minute, parce que il y a de plus en plus de dossiers. Les dossiers sont de plus en plus complexes et volumineux. Et parfois, ben, les gens qui ont à monter ces dossiers-là ont besoin d'un petit peu plus de temps pour peaufiner leurs documents et ça arrive qu'ils les déposent à la dernière minute.
Ceci étant dit, ce n'est pas la règle générale dont on s'inspire. La règle, c'est plutôt l'inverse. Et je pense que dans la très grande majorité des cas, on a les dossiers à partir du jeudi sur le conseil sans papier. Mais donc, de façon exceptionnelle, ça arrive encore qu'il puisse y avoir des documents qui sont déposés sur place. Puis des fois, c'est des prérogatives sur le plan légal qui font que, bon, les services juridiques nous disent si on ne passe pas ce dossier-là à ce moment-ci, ça va avoir un impact justement sur la possibilité de réaliser dans les délais le projet en question. Donc, ceci étant dit, comme je vous dis, la règle, c'est qu'on les reçoit le jeudi précédent, la séance du conseil municipal ou du comité plénier. Mais ça va arriver encore, malheureusement, que parfois, on va les avoir déposés sur place. Puis, j'avais soulevé cette question-là à l'époque parce que je me disais, bon, c'est peut-être une stratégie pour éviter justement qu'il y ait des informations qui sortent publiquement alors qu'on n'en a pas traité publiquement entre les élus seulement et que cette règle n'était malheureusement pas toujours respectée. Donc, comme vous avez pu voir dans l'extrait, cependant, on n'était pas tous d'accord non plus sur cet élément-là. Non, non, M. Tanguy n'était pas d'accord avec puis vous. Puis probablement qu'on ne serait pas tous d'accord non plus sur cet élément-là. Curieusement, M. Paquin était très d'accord avec vous, mais il n'était pas président encore. Ceci étant dit, je pense qu'on a traité de ça récemment entre nous à huis clos, dans le sens qu'on l'entend parfois des gens dans l'assistance. Puis comme je vous dis, c'est ça la règle générale. On essaie de l'avoir à l'avance. Pour ce qui est de l'autre question qui est en lien avec l'optimisation, bien, je pense que... Et les ressources humaines, non? Oui, encore là, quand on regarde la liste des dossiers en cheminement, il y a énormément de dossiers, puis ça fait plusieurs fois même qu'on n'arrive pas à voir des dossiers qu'on aurait souhaité voir avant, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup à traiter. Et je pense qu'on essaye de le faire le plus possible en profondeur parce qu'il faut effectivement se donner le temps, puis le temps file. On ne peut pas commencer les réunions non plus trop tôt parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi en assumant leur tâche de conseiller ou conseillère. Ils ont une vie professionnelle active aussi en parallèle. Donc, on essaie de doser justement le nombre de dossiers qu'on peut passer et le temps dont on dispose pour trouver un certain équilibre là-dedans. Puis, on peut penser que parfois, même quand les dossiers arrivent, peu importe quand ils arrivent, ça arrive qu'on aimerait encore se donner plus de temps, mais à un moment donné, bien, on dit, vous avez eu l'information, vous pouvez poser des questions, vous pouvez vous objecter, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord aussi, mais il arrive un moment où on dit, on traite un dossier à ce moment-ci, puis on a à prendre une décision. Donc, la personne peut inscrire sa dissidence, la personne peut voter contre, mais on traite parfois quand même le dossier, même si ça peut apparaître rapide pour certains d'entre nous. OK. Dans le cas du centre de foire, ça n'a pas été un succès. Je vous remercie, Mme la Présidente. Bienvenue. Alors, ça met fin à la période des questions des personnes présentes. Alors, le bordereau de la correspondance. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par Mme Berthol, appuyé par Mme Chantal-Espérance. Maintenant, les dossiers du comité exécutif. Nomination de la directrice du service des affaires juridiques et greffières. Je propose avec un commentaire. Je l'appuie. Oh. Donc, Mme Berthol appuie, Monsieur Philippe Lucier propose. En effet, je vais dire la même chose. C'est avec plaisir que j'annonce la nomination de Maître Lynn Chabot. Évidemment, Lynn Chabot, qui va être au service des affaires juridiques, la directrice du service des affaires juridiques et greffières. Madame Chabot répond de façon remarquable aux attentes. Diplômée en baccalauréat au droit de l'Université de Sherbrooke et membre du barreau du Québec, Madame Chabot a débuté sa pratique à titre d'avocate à la ville de Sherbrooke en 1993. Elle occupe actuellement et depuis plus de 10 ans le poste d'adjointe à la direction et greffière adjointe au service des affaires juridiques et elle s'avère une très bonne candidate et oui, elle se démarque pour sa grande compétence. Alors, félicitations, Madame Chabot. Et Mme Chabot rentrera en poste dans sa nouvelle fonction dès le 3 août 2018. Merci. Bravo, félicitations. Oui. Alors, fin d'emploi administratif. Je propose. Mme Berthol. J'appuie. Appuyée de Mme L'Espérance. Réorganisation de la division des équipements du service de l'approvisionnement et des équipements.
J'avais une question sur ce point. On avait mis terme à un emploi en 2015, n'est-ce pas? On avait aboli un poste en 2015. Oui, continuez votre... Sur ce point-là, au troisième paragraphe du sommaire décisionnel. Donc, pour des raisons médicales et tout ça. Et puis là, cette personne-là n'a jamais arrêté de travailler. Et là, on crée un nouveau poste en plus. Je voudrais avoir des clarifications sur ce dossier. En fait, c'est qu'on va créer un poste qui va être plus polyvalent, cependant. Pour faire en sorte que ce qui devait être fait par rapport au lavage de véhicules va pouvoir continuer à être fait, mais on en a moins besoin qu'avant. Mais la personne va pouvoir faire autre chose également aussi, ce qui n'était pas le cas nécessairement avant. Donc, vous allez le voir assez régulièrement maintenant. Il y a des ajustements qu'on tente de faire quand il y a des gens qui quittent. On va abolir un poste qui est dédié à tel genre de tâche, pour voir l'ensemble des besoins qu'une seule et même personne pourrait remplir en changeant justement et en ajoutant certaines tâches et en faisant des ajustements. Je comprends, j'essaie de comprendre. On abolit un poste de préposé au lavage, on en crée un au lavage et puis là, on crée un autre poste de technicien. Pour aller pallier à ça, en tout cas, je lisais ça, puis j'étais un petit peu... cette réorganisation coûterait 12 000 $ annuellement. Puis cette personne-là qu'on a abolie, dont on a aboli le poste en 2015, n'a jamais arrêté de travailler. Bien, elle n'a pas arrêté de travailler tant qu'elle a continué à être à l'emploi de la ville. Or, le poste était aboli. Oui, on a aboli un poste de préposé au transport de véhicules. Puis il y avait aussi un poste de qu'on appelait préposé au lavage de véhicules. Là. Comprenez-vous mon questionnement? Que c'est pas clair. Nicole? Ouais. M. Picard, oui, M. Picard? En fait, il existait deux postes qui étaient supposés être pour le transport, dont un qu'on transforme en poste de lavage et l'autre poste qu'on transforme en poste de technicien. Alors, puisqu'on prend le poste qui était de préposé à technicien, là, il y a un ajout budgétaire de 12 000 $. C'est plus clair? Oui. Mais c'est pour répondre à des besoins réels qu'on a, puis faciliter justement... le fait que la même personne va pouvoir faire plus de choses qu'avant. Puis vous allez le voir, on va se re-questionner à chaque fois qu'il y a des gens qui vont quitter pour voir ce qui était fait auparavant versus nos besoins actuels. Est-ce qu'il n'y a pas lieu parfois justement de demander que la prochaine personne va faire plus de tâches que ce que l'autre faisait auparavant? Et puis en attendant, est-ce que cette personne-là pourrait être à temps... Pas à temps partiel, mais c'est-tu obligé d'être un poste à temps plein automatiquement? Moi, c'est ça mon questionnement, ça repart toujours, on repart la machine. Bien, c'est-à-dire que je n'étais pas contre ce poste-là lorsqu'on nous en avait parlé, M. Geng, à la table. Là. Sachant que j'ai fait le tour des services, j'ai pu aller voir dans plusieurs garages, puisqu'on a plusieurs, évidemment, emplacements où on a nos camions, et les gens doivent aller les chercher, les reporter. Il y a quand même... un département Grande Fourche également, c'est là que ça se passe, tu sais. Fait que j'étais pas en désaccord de le mettre non plus. À un moment donné, il faut mettre des employés aussi temps plein. Dans le cas présent, je préférais qu'ils soient temps plein aussi, tant qu'on m'en a parlé, là, pour plusieurs raisons, dans le fond. Une question, évidemment, d'équité pour cette personne-là. Là. Madame la Présidente, moi, c'est sûr qu'à la lecture du document, c'est sûr que ça porte un questionnement, parce que... Oui, en effet. À partir du moment, nous avons aussi au sein de notre groupe un poste de préposé à la cour et au lavage de véhicules. Il avait été convenu d'abolir ce poste en 2015. C'est sûr qu'on est en 2018. Bon, le questionnement à savoir, de 2015 à 2018, est-ce que le monsieur a quand même travaillé quand même, monsieur directeur général? Mais oui, c'est sûr qu'il a travaillé. Ah, c'est ça qui... Oui. C'est ça qu'il faut dire. Il y avait deux postes initialement. Il y en a un qui a été coupé. Et là, on dit la personne qui est là maintenant, là, qu'il faut la faire travailler, elle a des restrictions. On maintient ce poste-là, puis
puis au bout de la ligne, là, parce qu'il y a eu un autre poste de créé comme technicien, et là, ça coûte 12 000 $ de plus en salaire, mais c'est près même le budget de la flotte. Donc, ça ne coûte rien de plus à la ville. C'est un réménagement à l'interne qu'on fait. Puis ça, Nicole vous l'a dit tantôt, quasiment chaque mois, on refait des fois une demande de transformer un poste pour être plus flexible. C'est ça qu'on demande dans ces dossiers-là. Merci. Ça va? Non, je pense que c'est ça, on a pris tout de suite la question. Là, donc, proposé par Mme Danielle Berthol, appuyé par Mme Chantal L'Espérance. Donc, modification au règlement sur l'occupation de rues résidentielles. Je vais le proposer. Alors, proposé par Mme Danielle Berthol. Je peux appuyer avec un commentaire. Appuyé par Mme Évelyne Beaudin. C'est ça, c'est... C'est qu'auparavant, il fallait avoir l'autorisation des services juridiques, je crois, pour, par exemple, bloquer une rue résidentielle quand on organisait une fête dans les rues. Et là, ce qui est proposé, c'est de plutôt demander à ce que ce soit le directeur du service des sports et de la vie communautaire et de la culture. À un moment donné, je vais réussir à le dire tout d'une shot. Donc, ce serait le directeur du service des sports, de la culture et de la vie communautaire qui pourrait faire ces autorisations-là pour tenir des fêtes de quartier. Voilà. Ça prenait-tu une résolution aussi du comité du CIF à l'époque? Ben, en fait, ce n'était pas le service juridique, c'était le conseil d'arrondissement pour les rues résidentielles locales et c'est le comité exécutif pour les rues artérielles. Donc, pour les rues résidentielles locales, maintenant, ça va être directement le directeur de l'arrondissement. Puis, le directeur du service des sports culture. Oui, c'est ça. C'est ça. La question que je posais, c'était savoir est-ce qu'on pourrait est-ce que ça existe quelque part un peu les catégorisations des rues? Qu'est-ce qu'une rue résidentielle locale ou bien telle rue sont des rues résidentielles locales versus est-ce que ça existe quelque part cette information-là? Mais de mémoire, il me semble qu'on a une carte là, sur le site de la ville où on a les collectrices, les rues artérielles, et par défaut, le restant, c'est des rues résidentielles. OK. Il y a un plan directeur là-dessus. Oui. OK. Madame la Présidente. Oui. Est-ce que c'est possible qu'on mette nos téléphones à ne pas déranger? Oui. Parce que ça fait une heure qu'on entend des téléphones qui sonnent, puis j'imagine qu'à la maison, c'est pas agréable. Fait que, ou le fermer, là, mais il y a quelqu'un qui sonne depuis tantôt. Merci. Merci, M. Boutin. Il vibre. Oui. Alors, on serait au point défi des villes intelligentes. Oui, alors je vais proposer avec un commentaire. Madame Annie Godbout propose. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Pierre Tremblay. Avec un commentaire aussi, s'il vous plaît. Oui, alors il y avait la question. En fait, cette résolution-là est vraiment quand même assez globale par rapport au dépôt, à la proposition qui doit être déposée le 24 avril. Là, donc, cette semaine, effectivement, on travaille encore sur le dossier, mais... Le dossier va être représenté ici avec les résultats du sondage. Il y a eu deux sondages qui ont été lancés auprès de la population générale et la population étudiante. Alors, on a au-dessus de 800 répondants pour chacun des deux sondages. Alors, on aura des résultats quand même assez intéressants sur les priorisations de la ville. Et puis c'est ça aussi, avant de présenter le défi, bien, on regardera l'ensemble du dossier à une prochaine séance. Merci. Tout simplement, en ajout de ça, ajouter qu'on a eu, la chance là, de cette présentation-là nous a été faite là, sur ville et communauté intelligente. Et c'est quelque chose que je vais inviter les gens à être à l'affût. La plupart de mes confrères et consoeurs là, ont aussi assisté à cette réunion-là. Et quand on parle de quelque chose de très structurant pour une ville, là, mais je pense que ça, c'est assurément, en ce qui me concerne, le plus bel exemple de quelque chose qui est structurant et rassembleur pour l'ensemble de la population. Alors, dossier à suivre. Merci. Peut-être pour juste bien mettre en contexte, là, effectivement, depuis que j'ai eu la nomination là, à Sherbrooke Ville Intelligente à la commission de l'UMQ, dont j'aurai la première rencontre cette semaine, j'ai très hâte. Monsieur Yves Sonnet, le directeur des ITI, a fait une mise à jour du dossier où on était rendu. Puis c'est sûr qu'il y a une vision qui a été développée autour de Sherbrooke Ville Intelligente. Et comme c'est quand même assez costaud comme dossier, j'ai proposé à ce qu'on fasse des séances de groupe. Donc, on a eu des séances en peu
petits groupes. Donc, une nouvelle façon de faire avec les collègues. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas eu la chance de voir encore la présentation, mais effectivement, ça nous a permis d'échanger puis de s'approprier les dossiers un peu différemment. Mais je vous remercie de votre ouverture. Effectivement, ça a été très constructif. Puis, donc, c'est assurément à suivre. En effet, M. Sommet et toute son équipe ont fait un excellent travail et j'ai hâte que tout le monde puisse voir, évidemment, le progrès à ce dossier-là. Merci beaucoup. Madame la Présidente? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir avoir les résultats de ce sondage-là? Oui, 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 tout à fait. Ils vont être présentés en même temps que la candidature qu'on dépose le 24 avril. OK, merci. Oui. Alors, l'achat du terrain, 360, en fait, du 375 Chemin La Bonté. On pose avec... M. Julien Lachance. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Marc Deneau. Oui, M. Lachance. Alors, il s'agissait dans le parc industriel régional de Sherbrooke. Là, il reste encore quelques propriétés à acquérir. Après les deux qu'on acquiert, il va en rester quatre. Alors, on acquiert deux résidences pour permettre de faire le prolongement de la rue Robert-Boyd ainsi que l'ouverture de la rue Joseph-Louis-Mathieu. Merci. Mme Baudin, au niveau du site Internet de la Ville, il y a la carte routière. Okay. Est-ce qu'on voit la dénotation entre une collectrice et les rues locales? Dans les cartes interactives? Oui, mais à la fin de toutes, là, il y a deux cartes supplémentaires, le guide des rues et une carte routière. OK, en PDF. Oui. Merci. Alors, le prochain dossier concerne aussi l'acquisition là, sur le chemin La Bonté, procédure d'expropriation. Propose. M. Julien Lachance propose. Et l'appuyer. Appuyé par M. Marc Deneau. Même chose. Même chose. Deuxième propriété, une près de l'autre. Là. Rue du Trianon. Travaux d'amélioration locale. Pavage. Je vais proposer avec un commentaire. M. Pierre Tremblay propose. Appuyé. Appuyé par M. Pierre Havard. Alors oui, tout simplement, bon, pour dire que les gens de la rue du Trianon attendaient cette... cette annonce-là depuis longtemps de que leur rue soit asphaltée. Donc, tout a été respecté là-dedans. Les résidents de l'endroit devaient se prononcer avec un résultat minimum de 60 % de ce qui était fait. Donc, 60 % des résidents là-bas ont été en faveur de participer à l'asphaltage de leur rue. Donc, ça va être comme utilisateur-payeur avec un frontage qui est déjà préétabli. Donc, chacun des citoyens de la rue du Trianon aura sa participation monétaire pour réaliser cette rue-là, avec une participation également de la ville de Sherbrooke. Merci. Passage pour piétons dans les rues existantes concernant le budget d'immobilisation 2018. Je peux proposer. Madame Évelyne Baudin propose. J'appuie. Appuyé par M. Paul Gêne. Adjudication de l'appel d'offres 144-11 pour la fourniture de main-d'œuvre avec camions et équipements pour différents travaux de rénovation et peinture. Je propose. M. Rémi Demers propose. J'appuie. Appuyé par Mme Chantal L'Espérance. Adjudication de l'appel d'offres 144-08, installation et transfert d'équipements pour véhicules de police. Je le propose. Mme Danielle Berthol propose. Je l'appuie. Appuyé par M. Claude Charron. Adjudication de l'appel d'offres 143-93 pour le réaménagement du niveau 0 d'Espace Inc. au 400 rue Marquette. Je vais le proposer. J'appuie. Monsieur Vincent Boutin, appuyé de Madame Chantal L'Espérance. Adjudication de l'appel d'offres 144-47, fourniture d'enrobés bitumineux. Je vais le proposer. Madame Danielle Berthol. L'appuyer. Appuyé par Monsieur Paul Gêne. Adjudication de l'appel d'offres 144-53 pour des services de balayage de trottoirs, passage piétonnier, piste cyclable, stationnement et autres pour une période de 3 ans. Je vais le proposer avec un commentaire. Je vais appuyer. Danielle Berthol, appuyée par Mme Karine Godbout. Oui, Mme Berthol. Alors, c'est un entrepreneur de Ascot Corner, M. Jocelyn Plamondon, mini-excavation Jocelyn Plamondon, qui a eu le contrat. Et on faisait déjà affaire avec lui dans le dernier contrat. Alors, c'est une suite logique. En tout cas, il a bien répondu à l'appel d'offres. C'est adjudication de l'appel d'offres 144-65 pour la fourniture d'emprunts granulaires de calibre MG20 et MGV20B, et pierre nette
Rendez-moi pas la différence entre les deux. Oh, c'est B. C'est B? C'est le B. Un petit B. Alors, un proposeur. Le propos. Madame Berthol, appuyée de M. Julien Lachance. On a un excellent prix, hein, 500 000 $ en bas de l'estimation. Oui. Wow, félicitations. Oui. Adjudication du contrat dans le cadre de l'appel d'offres 2018-004 pour des services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de construction du boulevard René-Lévesque et travaux de construction pour l'année 2018. Je vais proposer. Madame Annie Godbout, appuyée par M. Marc Deneau. Bon, on reste avec le même consultant, c'est ce que j'ai compris. Hein? Demande de modification au règlement numéro 1000 adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville de Sherbrooke pour l'Université de Sherbrooke. Je vais le proposer qu'une explication, Madame la Présidente. Oui, M. Vincent Boutin. Je l'appuie. Donc, par M. Paul Jean. Oui, M. Boutin. Parfait. Donc, c'est une demande de l'Université de Sherbrooke qui concerne le parc innovation. Donc, ce qu'on fait, c'est au schéma d'aménagement qu'on vient changer. C'est qu'ils veulent changer la vocation ou du moins élargir un peu ce qui peut être fait là, créer une espèce de live, work and play. Donc, les gens qui travaillent, vivent, étudient finalement dans ce milieu-là. Et pour ça, il faut aller au schéma d'aménagement parce qu'à l'heure actuelle, la zone est industrielle, technologique. Et là, on veut aller institutionnel et public. Donc, il faut aller au schéma. Et aussi, il y a une partie qui est en zone de réserve. Donc, il faut faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour démontrer que c'est conforme à notre vision du schéma. Il y aura une consultation publique ici même à l'Hôtel de Ville le 9 mai prochain à 19h pour présenter plus en détail le projet. Donc, les points à l'ordre du jour là, qui sont 16.2.1, 16.2.2, 16.3.1, qui sont des dossiers de la MRC de Sherbrooke, bien, c'est tout en lien avec ce dossier-là. Merci, M. Boutin. Excusez, Mme la Présidente. Oui. On a passé 6.1.16 hein, tantôt. Non. On l'a fait? Oui, on l'a fait. Oui. Et c'est ça, ce que j'ai omis, c'est parce que j'ai omis de déclarer mon intérêt parce intérêt. Que je suis actionnaire de compagnies qui ont des terrains dans ce secteur-là. Excusez. Parfait. Merci, c'est noté. Mme la greffière, vous allez enregistrer la déclaration d'intérêt de M. Lachance. Donc, on serait rendu à la demande d'approbation sur l'architecture et l'intégration d'un bâtiment de service sur la rue Maisonneuve dans le parc de Saint-Boniface. Propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Marc Deneau, appuyé par Mme Chantal L'Espérance. Juste une petite explication, c'est qu'il y a un nouveau bâtiment qui va être implanté dans le parc Saint-Boniface, un petit peu à l'image de ceux dans les parcs Maillé, Couturier et Debonnaire. Et au point de vue fonctionnement, toutes les fois qu'un bâtiment qui est une propriété municipale, celle-ci doit être présentée au comité d'urbanisme et au conseil municipal. Au point de vue échéancier, on nous parle d'une construction pour l'automne 2018, parce que vous savez, dans ce parc-là, il y a un jeu d'eau. Donc, les gens qui utilisent le jeu d'eau ont besoin d'un bâtiment pour se changer. Donc, on ne ferme pas le bâtiment existant avant l'automne. Merci. Merci. Maintenant, en lien avec le comité consultatif agricole, demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'aliéner le lot 3 101 742 du cadastre du Québec dans le chemin du 6e rang dans l'arrondissement numéro 1. Je vais proposer. Donc, proposé par Mme Karine Godbout. Je m'appuie. Appuyé par Mme Annie Godbout. Demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'aliéner, de lotir et d'utiliser à une autre fin que l'agriculture une partie du lot 3 103 708 du cadastre du Québec, rue des Sept-Soleils, dans l'arrondissement numéro 1. Je vais proposer. Mme Karine Godbout propose, appuyée de Mme Danielle Berthol. Ce sont, dans les deux cas, si ma mémoire est bonne, des acceptations, Mme Godbout, n'est-ce pas? Dans le premier cas, en fait, il s'agit du morcellement d'une ferme pour des fins agricoles. Ça a été accepté? Oui. On fait la recommandation. Oui. À la. Oui. Parfait. Puis dans le deuxième cas aussi, on l'a accepté. Tout à fait. Parfait. Merci. Nomination de 4 commissaires à la commission des arts visuels. Je vais le proposer avec Monsieur un commentaire. Paul Jean. J'appuie. Appuyé par Mme Chantal L'Espérance. Monsieur Jean. Alors, la commission des arts visuels, on se retrouvait devant un petit cul-de-sac dernièrement parce que les membres quittaient, soit qu'ils avaient terminé leurs 2 ans, soit qu'ils passaient à autre chose. Donc, on est très heureux d'avoir trouvé 4 personnes qui vont remplir les postes. Donc, Mme Claudine Deshôtels et Sarah Boucher à titre de commissaire experte en histoire de l'art,
ainsi que Mme Geneviève Chevalier et M. Luc Saint-Jacques à titre de commissaire expert et commissaire expert en arts visuels. Merci, M. Jeanne. Nomination des membres citoyens sur le comité de sécurité publique de la ville de Sherbrooke maintenant. Je propose avec un commentaire. Mme Danielle Berthol, appuyée par Mme Chantal L'Espérance. Alors, évidemment, le comité de sécurité publique, dont j'ai l'honneur de présider, est composé de 4 présidents d'arrondissement, soit Nicole Bergeron, M. Vincent Boutin, Claude Charron et Mme Chantal L'Espérance. Il y a 6 membres citoyens qui siègent également sur ce comité, soit 2 pour les arrondissements 1 et numéro 4 et un seul pour les arrondissements numéro 2 et numéro 3. Alors, il me fait plaisir de nommer officiellement Joannie Laverdière de l'arrondissement numéro 1 comme membre citoyen, Daniel Richard de l'arrondissement numéro 1, Sylvain Rabhi de l'arrondissement numéro 2, Marie-France Beauregard, arrondissement numéro 3, Marcel Cyr de l'arrondissement numéro 4 et finalement M. Richard Desfossés, un chauffeur de la STS. L'arrondissement numéro 4. Voilà. Merci, Mme Berthol. Félicitations, candidature. Dépôt du suivi des interventions des citoyens de la période de questions de la séance du 3 avril. Je propose. Proposé par Mme Evelyne Baudin, appuyé par M. Pierre Havard. Avec le service des affaires juridiques, maintenant, résolution PPC Moine. Juste avant, Mme la oui. Présidente, si on peut revenir, il y avait numéro 10 qui était dossier du vérificateur général qui sera changé, évidemment, pour changer pour vérificatrice, s'il vous plaît. Le vérificatrice générale avec un E. C'est exactement ça. C'était un commentaire qu'on avait eu de Mme Baudin. Alors, ça va être fait. Merci beaucoup. Merci. Donc, résolution PPC Moine numéro 44, occupation d'un immeuble à vocation publique communautaire par certains usages des classes d'usage, commerce de détail et services de proximité et services professionnels, personnels et spécialisés sur le lot 1 133 604, soit le 600 rue Woodward, dans la zone P1388. J'avais juste une réserve par rapport à ce... Attendez, juste qu'on le propose, qu'on l'appuie. Non, moi, je vais le proposer. Monsieur Rémy Demers, appuyé par Monsieur Boutin. Vincent Boutin, oui, et Monsieur Jeanne. Moi, je voulais juste... c'est M. Boutin qui parle là-bas? Non, on a proposé appui. Ah, okay. Oui, c'est ça, c'est à vous, M. Jeanne. Moi, je voulais juste demander si c'était logique et cohérent de laisser s'implanter des commerces, bureaux d'affaires en plein quartier résidentiel, tandis qu'on essaie de promouvoir un peu ce même genre de commerce sur la Wellington. D'autre part, aussi, dans le secteur de l'Hôtel-Dieu, si je ne me trompe pas, il manque un petit peu de stationnement, si je ne me trompe pas. Je voulais juste voir si... qu'est-ce que vous en pensez, M. Demers? Bonne question. Écoutez, c'est le district que je représente, dans le district de l'Hôtel-Dieu. Tout d'abord, au niveau des stationnements, c'est une vérification qui avait été faite lors de l'analyse du dossier. Il y a amplement de places de stationnement. En fait, ce projet-là vise à permettre à Diabète Estrie, de façon à garantir la pérennité de l'organisation, à louer un local pour des utilisations professionnelles. Alors, on parle de petits bureaux d'usage professionnel. Et le cheminement du dossier a fait qu'il avait été retiré d'une part parce qu'il y avait crainte là, avec un changement de zonage à cause d'une préoccupation pour un espace vert qui était inclus. Mais en fait, on est allé par PPC Moi dans ce dossier-là. La préoccupation au niveau commercial, écoutez, comme on parle d'un petit bureau, il y a amplement, là, comme on retrouve un peu dans le secteur, on a notamment sur la rue Conseil, on a sur la rue Bowen, etc. Donc, c'est des bureaux de petite surface. Je vous dirais, lors de la consultation publique qui avait été faite à l'arrondissement Fleurimont, lors des 2 consultations publiques, en fait, d'aucun moment, il y a eu une réticence des citoyens du secteur par rapport à un tel usage. Je pense que votre préoccupation est légitime, mais dans la mesure où on parle d'une occupation extrêmement restreinte, ça n'a pas d'impact comme tel au niveau de l'occupation d'un secteur comme la rue Wellington, notamment. Et il faut savoir aussi que c'est le secteur de la santé
Et il y a des besoins pour des bureaux d'usage professionnel associés notamment au secteur de la santé avec la proximité de l'Hôtel-Dieu. Mais on parle vraiment de petits usages. Commerce Sherbrooke avait dans ce cas-là, il y avait eu, oui, de mémoire. Là, écoutez, c'est ça qui m'a allumé. Au moment où il y avait eu... il y avait une recommandation. Là, je n'étais pas président de Commerce Sherbrooke à cette époque. Mes collègues pourraient peut-être, mais je crois qu'il y avait eu un avis favorable dans ce cas-là. Oui, il y avait eu un avis favorable. C'est marqué à l'avant-dernier paragraphe. Ah, OK, c'est ça. Considérant l'avis favorable de Commerce Sherbrooke, mais cependant, il pourrait poser d'ajouter seulement l'usage C-306. Cependant, la Ville, on n'a pas retenu cet aspect-là de leur avis parce qu'elle proposait aussi l'ajout de d'autres usages, à savoir école de danse, de coiffure et d'esthétique, d'art et de musique, de conduite automobile et de formation spécialisée. Puis il y en a d'autres, là, vous voyez la liste. Cependant, suite à la deuxième séance de consultation publique, les gens ont demandé qu'il n'y ait pas sauna, spa et bain thérapeutique avec activités intérieures et extérieures. Là. Exactement. Ça fait que ça l'a été, je dirais, là, à l'entière satisfaction des personnes qui avaient pour seule inquiétude le changement de zonage. Alors, André, mon intervention, c'est juste pour pas qu'on se tire une balle dans le pied pour stimuler autour du centre-ville, vu qu'on travaille là-dessus. Parfait. J'ai revenu. Ouais, peut-être juste compléter, M. Demers, là, on a limité à 150 mètres carrés l'usage bureau haute qu'est-ce qui était déjà là. Donc, même s'il y avait un agrandissement de 1000 mètres carrés, ce qui serait pas possible sur le terrain, mais bref, tout ça pour dire qu'on voulait garder l'usage complémentaire qu'on ajoutait pour permettre à Diabète Estrie, qui est un organisme propriétaire de son immeuble, d'être capable de joindre les deux bouts à la fin du mois. Et avec un PPC moi, l'idée, c'est toujours d'améliorer le terrain, d'ajouter une plus-value. Donc là, on va profiter pour planter des arbres aussi, qui est une bonne nouvelle. Merci. Alors, point de substitution d'un membre du comité technique du concours d'architecture pluridisciplinaire en vue de la réalisation d'un concept pour le lieu de diffusion spécialisé danse, théâtre, enfants, jeunesse de Sherbrooke. Je peux le proposer avec un commentaire. M. Paul Jeanne, appuyé par Mme Chantal Espérance. Allez-y, M. Jeanne. Alors, considérant que M. Jean-Marc Dugré, ingénieur en sculpture chez Dugré Ingénieur, se trouve dans l'impossibilité d'assister aux activités du comité technique prévu le 30 avril prochain, c'est Geneviève Santerre, ingénieur en structure de Ciment Plus, qui le remplacera. Merci. Alors, on serait rendu à la présentation des projets et avis de règlement. Le premier étant l'avis de motion du règlement 1168, Madame la greffière. Oui, ce règlement-là est en lien avec le dossier qu'on a passé tout à l'heure pour l'acquisition de la propriété du 375 chemin La Bonté dans le but d'agrandir le parc industriel régional. L'acquisition des propriétés dans un parc industriel doit être faite par un règlement en vertu de la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, l'objet, c'est cette propriété-là. La portée, c'est le secteur du chemin La Bonté dans l'arrondissement numéro 1. Le coût est de 315 000 $ et le mode de financement, un emprunt au fonds de roulement qui sera remboursé par des remboursements annuels de 63 000 $ pendant 5 ans. Prenez avis qu'une prochaine séance du Conseil sera présentée pour étude et adoption le règlement numéro 1168 décrétant l'acquisition de gré à gré du lot 3,196,691 du cadastre du Québec avec bâtisse dessus construite ayant pour objet de l'agrandissement du parc industriel régional. Merci, M. Lachance. La prochaine présentation du projet et avis de motion de règlement numéro 1169, Mme la greffière. Le règlement est au même avis. C'est pour décréter l'acquisition, mais cette fois-là, de gré à gré ou par expropriation, du lot 3,196,693, qui est la propriété sise au 391 chemin La Bonté, dans le but d'agrandir le parc industriel régional. La portée, c'est le secteur du chemin La Bonté, arrondissement numéro 1. Le coût, 350 000 $. Le mode de financement est par un emprunt au fonds de roulement qui va être remboursé par des remboursements annuels de 70 000 $ pendant 5 ans. Prenez avis qu'une prochaine séance du Conseil sera présentée pour étude et adoption le règlement 1169, décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 3,196,693 du cadastre du Québec, avec bâtisse dessus construite ayant pour l'objet de l'agrandissement du parc industriel régional. Merci. La prochaine présentation du projet et avis de motion du règlement 1202-1, Mme la greffière.
L'objet de ce règlement, de manière générale, ce règlement vise à modifier le règlement sur les permis et certificats de la ville de Sherbrooke pour modifier les documents qui doivent accompagner une demande de certificat d'autorisation pour la remise à l'état naturel des rives et pour préciser qu'une étude photométrique attestant de la conformité des installations proposées doit accompagner une demande d'installation de dispositifs d'éclairage extérieur lorsque la quantité de lumière totale utilisée excède 35 000 lumens. La portée, c'est sur l'ensemble du territoire de la ville. Prenez avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour étude et adoption le règlement numéro 1202-1, modifiant le règlement numéro 1202 sur les permis et certificats de la ville de Sherbrooke afin de modifier les dispositions relatives aux documents devant accompagner une demande de certificat d'autorisation pour la remise à l'état naturel des rives afin d'alléger le processus de délivrance d'une telle autorisation. De préciser qu'une étude photométrique attestant la conformité des installations proposées aux dispositions relatives au contrôle de la pollution lumineuse prescrite au règlement de zonage et de lotissement est requise lorsque la quantité de lumière totale utilisée excède 35 000 lumens. Merci. Adoption de règlement en commençant par le règlement numéro 1162-1 qui modifie le règlement 1162. Madame Lagrévière. Alors, on modifie le règlement 1162 qui prévoyait des immobilisations et un emprunt au montant de 6 050 000 pour augmenter le montant de l'emprunt à 7 550 000. La portée, c'est l'ensemble de la municipalité qui est visée. Donc, le coût supplémentaire est de 1 500 000 qui est financé par un emprunt par obligation municipale qui sera remboursé selon la cédule de la dette sur une période de 20 ans. Merci. Donc, un proposeur. Madame Danielle Berthol. J'appuie. Appuyée par Madame Chantal Espérance. Le règlement numéro 1200-12 qui modifie le règlement 1200 de zonage et de lotissement. Madame Lagrévière. Alors, ce règlement qui modifie le règlement de zonage et lotissement a pour objet de permettre la réalisation du projet de développement résidentiel Carré-Belvédère en créant des zones habitation et une zone récréative, en y autorisant les usages et en y prescrivant les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes d'implantation. Il existe également une bande tampon le long de la ligne arrière de terrain contiguë à la zone habitation déjà existante. La portée, ça concerne les zones HO 890, H1818, H1819 et REC 1824 qui sont touchées. Elles sont situées le long de la rue Belvédère Sud, près de l'intersection de la rue Belmont dans l'arrondissement numéro 4. Je vais le proposer. Appuyé par. J'appuie. Par Mme L'Espérance. Le règlement 1200-16 qui modifie le règlement 1200 zonage et de lotissement, Mme Lagrévière. Ce règlement vise à apporter des ajustements relatifs à la marge avant minimale, à la largeur maximale des entrées charretières et des accès véhiculaires, ainsi qu'à autoriser l'aménagement d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire mitoyen sur le boulevard de Monseigneur Fortier, le tout afin de permettre que le projet de relocalisation du commerce Costco sur le plateau Saint-Joseph puisse être mené à terme. La portée, ce projet touche les zones C1861, et C1862, qui sont situés près de l'intersection du boulevard du Plateau Saint-Joseph et du boulevard de Monseigneur Fortier dans l'arrondissement numéro 4. Un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Pierre Tremblay. Retrait de projet de règlement, celui qui est le 1200-3, qui modifie le règlement 1200 de zonage et qui a été vu tout à l'heure sous la forme d'un PPC moi, là, c'est la rue Woodward, là. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. Monsieur Demers, appuyé par Monsieur Demers. Secondé, Monsieur Demers. Bien. Cours d'eau, maintenant, reconnaissance des compétences des gestionnaires de cours d'eau. Je vais le proposer. Appuyer. Oui, alors Mme Danielle Berthol, appuyée par Mme Évelyne Baudin. Oui, un commentaire, Mme Baudin? Oui, bien, j'avais une petite question. Bien, en fait, si j'ai bien compris, c'est qu'on s'unit, là, on donne notre appui à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union municipalité du Québec. Municipalité du Québec, oui. On les appelle plus la FQM et le VMQ pour se faire reconnaître comme des gestionnaires de cours d'eau puis pouvoir avoir un peu plus d'autonomie, je crois, dans tout ça. Corrigez-moi si jamais je ne dis pas les bonnes choses. Mon questionnement,
parce que c'est sûr qu'on est tous pour l'autonomie municipale, puis on est content de pouvoir pleinement agir comme un gouvernement de proximité. Le questionnement, c'est est-ce que, puis je pense pas qu'on va avoir la réponse ce soir, mais est-ce que le gouvernement va faire suivre les budgets qui viennent aussi avec la responsabilité accrue du gouvernement de proximité? Donc, disons qu'on on lance ça pour peut-être les candidats à l'élection. En effet, votre message est très bien entendu. Merci. On va faire des représentations, ça, c'était certain. Alors, le prochain dossier, projet de règlement 1000-9, modifiant le règlement 1000, adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville de Sherbrooke. C'est en lien avec, justement, comme le disait M. Boutin, le projet de parc innovation de l'Université de Sherbrooke. Je vais le proposer encore une fois. Je vais l'appuyer encore une fois. Appuyé par M. Paul Jean. De même que l'autre qui suit, projet de règlement 1000-9, modifiant le règlement numéro 1000, adoptant le schéma d'aménagement et de développement de la ville. Et c'est aussi avec l'Université de Sherbrooke. Je vais le proposer aussi. Donc, j'appuierai. Est-ce que ce serait possible, Madame la Présidente, de nous expliquer un peu plus, là, parce que j'ai lu le sommaire, là, qui était quand même très sommaire, et je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi il faut diminuer le délai à 20 jours plutôt que 45 jours? En fait, c'est une prérogative qui existe dans la loi et dont on peut se prévaloir à l'effet de raccourcir le délai qui est de 45 jours pour un délai diminué à 20 jours. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir une réponse plus rapide, Mme Lagraffière? Oui, c'est ou... ça. C'est simplement pour accélérer le processus. Avec l'Université de Sherbrooke, c'est là. Ça? Ouais, dans un dossier, c'est parce que quand on est dans les dossiers de modification de schéma, c'est toujours très long. OK. Donc, en diminuant de 45 jours à 20 jours, ça fait simplement... nous aider à régler le problème plus rapidement. Ce n'est pas nécessairement parce que l'université, on va probablement le demander maintenant qu'on peut le faire à peu près à chaque fois qu'on va avoir des dossiers de schéma. Donc ça, ce n'est pas pour... concerne le dossier de l'université. Là. OK, donc ça ne s'applique pas comme le délai ne sera pas raccourci pour... C'est à chaque fois qu'il faut faire la demande. OK. Peut-être ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que quand on fait des changements de zonage, on est souverain parce que c'est dans notre réglementation, mais quand on parle de schéma d'aménagement, on est encore obligé d'aller voir si ce qu'on propose est en conformité avec les orientations gouvernementales. Et si je ne m'abuse, ils ont 60 ou 120 jours pour répondre. Et habituellement, on a la réponse à 59 ou 119 jours. Alors, si on peut aller chercher 20 jours-là, bien, ça fait déjà une différence. Est-ce qu'au niveau de l'historique, Mme Lagraffière, quand on fait une demande comme celle-là, est-ce que c'est souvent positif ou? Oui, c'est souvent positif. Oui. Mais ils ne sont pas plus vite à répondre souvent non plus. Ça, c'est. OK. Alors, avis de règlement 1000-9, modifiant le règlement 1000, adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville de Sherbrooke, toujours pour l'Université de Sherbrooke. Prenez avis qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera présentée pour étude et adoption le règlement numéro 1000-9, modifiant le règlement numéro 1000, étant un règlement adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville de Sherbrooke de manière à modifier le plan 4, affectation du sol afin d'agrandir l'affectation publique et institutionnelle à même l'affectation industrielle de haute technologie, de recherche et de développement d'une superficie approximative de 23,4 hectares et à même le secteur de réserve de l'affectation industrielle de haute technologie, de recherche et de développement d'une superficie approximative de 10,2 hectares sur le lot 5,714,597 du cadastre du Québec, modifiant l'article 5.3.5. 5, le développement des affectations industrielles afin d'ajuster les superficies du pôle Parc Innovation et le total des pôles dans le tableau montrant les superficies des pôles dans les affectations industrielles et industrielles de haute technologie de recherche et de développement dans les secteurs de réserve. Et finalement, modifier l'annexe 1, croissance industrielle et caractéristiques des pôles industriels afin d'ajuster la ligne superficie brute disponible. Merci, M. Boutin. Alors, on serait donc rendu à la période des messages des membres du conseil, en commençant par M. Julien Lachance. Pas de commentaire. Mme Beaudin. Oui. Alors, pardonnez-moi. Il s'est dit beaucoup de choses depuis le dernier conseil municipal, mais je suis heureuse qu'on ait eu l'opportunité de nous parler, vous et moi, M. le maire, parce que ce que j'ai retenu de nos échanges, c'est que vous comprenez dorénavant mieux mon rôle. Et j'ai aussi senti qu'il y avait, de votre part, une certaine ouverture
à considérer peut-être pour l'avenir l'accès de tout le personnel politique aux rencontres à huis clos, le vôtre comme le mien. Quand même, pour clore, pour boucler la boucle, je me dois tout de même de revenir sur le sujet de mon local, puisque c'est un sujet qui a été soulevé au dernier conseil municipal. Alors, pour situer un peu les gens, lorsque j'ai décidé de former un cabinet, la ville de Sherbrooke devait nous fournir un local qui nous permettrait de travailler. On nous a d'abord installés au bureau d'arrondissement Jacques-Cartier, où il y avait un local inutilisé. La ville nous a ensuite demandé si elle pouvait nous relocaliser au parc André-Vigée parce qu'ils souhaitaient utiliser le local du bureau de l'arrondissement. On a accepté. Il y avait des petits travaux qui étaient nécessaires pour transformer l'espace en bureau de travail. C'est un local 12 pieds par 12 pieds qui servait auparavant aux gardiens de parc d'André-Vigée. Et pour les gens présents ou ceux qui nous écoutent sur le web ou à la télévision, c'est pas un local qui est particulièrement luxueux. On accède d'ailleurs aux toilettes du parc en passant par l'extérieur et à l'aide d'une clé. Mais dans notre cas, ça répond tout à fait à nos besoins. Mais comprenez mon étonnement lorsqu'on a su que ça aurait coûté 4 000 $ pour des rénovations qui devaient se résumer à déménager deux bureaux, deux chaises et changer une serrure. Lorsque vous avez parlé de 4 000 $ le montant nous a étonnés. Dès le lendemain, on a souhaité obtenir la ventilation des coûts. Une semaine plus tard, on a finalement reçu la réponse. Donc, ça aurait plutôt coûté 2 106 $ Mais même à 2 106 $ il y a d'étranges choses dans le document qu'on nous a remis. 236 $ de frais de déménagement. Pour déménager, je vous rappelle, deux bureaux, trois chaises. 150 $ de peinture. Alors que ça n'a pas été repeinturé. 689 $ pour ajouter quatre prises électriques. Ça revient cher, pas mal la prise. On nous a même dit que ça avait coûté 175 $ pour brancher une imprimante. Fait que l'impression que ça nous donne, c'est que le chiffre qui a été avancé de 4 000 $ que vous avez vous-même avancé, monsieur le maire, bien, c'est que par la suite, il y a quelqu'un quelque part qui s'est empressé de produire une ventilation des coûts qui était probablement exagérée pour se rapprocher le plus possible du montant de 4 000. En tout cas, moi, c'est la seule explication que je vois parce que ça expliquerait pourquoi ça a pris une semaine d'obtenir de l'information puis pourquoi on a répondu à nos questions de façon très évasive lorsqu'on a eu l'information. Alors... je suis très heureuse quand même d'avoir accès à cet espace de travail-là avec mon équipe et j'espère faire de ce bureau-là non seulement un espace de travail pour nous, mais aussi un lieu où les citoyennes et les citoyens vont pouvoir venir nous interpeller sur différents sujets. Alors, n'hésitez pas à passer nous voir, tout le monde est bienvenu. Je voulais apporter un changement de sujet. Je sais, M. le maire, que l'objectif de protéger 12 % du territoire sherbrookois d'ici 2020 vous tient à cœur et à moi aussi. C'est un objectif que s'est donné le conseil municipal en 2009. Et quand on dit d'ici 2020, il faut comprendre que 2020, c'est demain matin. J'aimerais ça que le conseil puisse donner un coup de barre pour atteindre son objectif, d'autant plus qu'on est interpellé de plus en plus souvent par la population pour la protection des arbres déboisés. Donc, si vous êtes d'accord, M. le maire, je pense que nos services pourraient fournir un inventaire des aires protégées avec une carte et un calcul de ce qui est protégé actuellement. Parce qu'après ça, ce serait plus facile de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre notre objectif de 12 %. Quelques annonces en vrac par rapport justement aux aires protégées. Il y a le regroupement du boisé Fabi qui va tenir son assemblée de fondation mercredi prochain, 18 avril à 18h30 au Centre communautaire de Roquefort-Est. Je tiens à souligner la dévotion de ces gens-là, notamment Lucie Desgagné, des gens qui se sont battus bec et ongles pour sauver le boisé Fabi. Aussi, le 25 avril prochain, on a reçu une invitation, je vais la montrer, donc on a reçu une invitation. Moi, je suis déléguée par le conseil municipal pour siéger à la CEDEC. Alors, une soirée sur l'économie collaborative. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, plutôt comme l'économie du partage. C'est un 5 à 8 au bistrot La Capsule. Il va avoir plusieurs invités. Marc-Antoine Ducas de Netlift, Julie Perrault de La Remise, Caroline Boivin, professeure à l'Université de Sherbrooke, Liam Garneau de
Park Sharing Parking et Véronique Vigneault de la plateforme de sociofinancement La Ruche Estrie. En conclusion, Mme Brouillet. Oui, pour terminer, cette semaine, c'est la semaine de l'action bénévole. Alors, le CABS, le Centre d'action bénévole de Sherbrooke, a publié un cahier spécial dans la tribune d'aujourd'hui. On y présente une liste de plusieurs organismes. Si jamais vous cherchez une implication, vous voulez redonner à la communauté, c'est une bonne manière de choisir ce qui vous convient le plus. Donc, merci à tous les bénévoles et à toutes les bénévoles. Sherbrooke ne serait pas Sherbrooke sans tout le temps que vous offrez à notre communauté. Merci. Monsieur Jeanne. Je prends le relais. C'est la semaine de l'action bénévole. Voilà. Alors, je vous invite tous au Buffet des continents demain, soit le 17 avril, à compter de 18 heures. Et c'est la soirée hommage aux bénévoles de Sherbrooke. La soirée est organisée par le Buffet des continents de Sherbrooke en collaboration avec le Centre d'action bénévole de Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke et la Fondation Roque-Gartin. Fait à noter que le propriétaire du Buffet des continents de Sherbrooke reçoit tous les convives gratuitement et près de 175 personnes seront présentes pour célébrer le bénévolat à Sherbrooke, dont certains d'entre nous ici même. Ce sera le dernier concert également à l'église Plymouth Trinity Church ce 22 avril, le dimanche à 15 heures. Alors, bravo, hein, la maison de l'opéra là, qui organise de très, très beaux concerts. Donc, dimanche le 22 à 15 heures en compagnie de Caroline Léonard-Delly, harpiste, et Julie Trudeau, violoncelliste. L'invitation, merci. Merci. Monsieur Boutin? Oui, bien, tout d'abord, je veux... vous avez peut-être vu passer, là, en mois, février dernier, on a annoncé la création de la bibliothèque de quartier dans le secteur Jardin Fleuri. Ben, je suis très heureux de vous annoncer, c'est déjà un succès. Écoutez les activités qui ont eu lieu au mois de mars. Il y a 130 jeunes du quartier qui ont été initiés à la lecture via diverses activités. Il y a des adultes aussi qui se sont joints à ça. C'est au-dessus de 160 personnes, bref, qui sont passées à la bibliothèque lors des activités. Ça, c'est sans compter les gens qui sont venus en dehors des heures d'activité. Je dois dire aussi, ce qui est intéressant, c'est quand ça fait boule de neige comme ça, on a reçu des appels à l'arrondissement de gens qui voulaient donner des livres à cette bibliothèque-là. Donc, c'est le fun de voir que le milieu veut donner à un projet comme ça. C'est motivant pour la suite. Je voulais le souligner, ces bons coups-là. Par la suite, la semaine prochaine, vous savez, on a parlé du bill omnibus au niveau de l'urbanisme, là, où on change un paquet de choses. Bien, la semaine prochaine, dans vos arrondissements, lundi et mardi, on va aller expliquer les tenants et aboutissants de ça. Donc, j'invite la population à être présent pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Puis, s'il y a des questions, bien, ce sera le temps de les répondre. Donc, je voulais inviter les gens. Merci. Madame Godbout. J'assistais le 10 avril dernier à la séance d'information ici même au conseil municipal concernant la grille du frein. Une cinquantaine de personnes étaient présentes et c'était une séance très intéressante qui a répondu, je pense, à plusieurs questions que les gens se posent. Si toutefois vous avez raté cette séance du 10, il y en a une autre cette semaine, le 18 avril à 18h30, ici même à l'Hôtel de Ville. Je vais y aller par étapes. Le 24 avril, donc ça va être l'Assemblée, notre Assemblée de quartier d'Ascot en santé. Je l'annonce parce que l'Assemblée de quartier habituellement se tient dans l'ancien bureau d'arrondissement du Mont-Bellevue. Et là, pour cette Assemblée-là, ça va se tenir, dans le fond, au Carrefour du Nant, dans le nouveau local du Café de quartier Baobab. Donc, si vous êtes curieux de voir à quoi ressemblera notre futur café dans le quartier, bien, je vous invite à assister à l'Assemblée de quartier. On accueille les gens à partir de 17 heures, donc le 24 avril. Ensuite, je voulais inviter les gens. Donc, l'Association culturelle islamique de l'Estrie, l'ASSI, organise pour une troisième année consécutive une collecte de sang en partenariat avec Emma Québec. Donc, ça se déroule au 1200 rue Massé.
C'est le 27 avril, vendredi le 27 avril, de 14h à 19h30. Donc, c'est une collecte de sang qui est sur rendez-vous. Donc, il y a tous des partenariats, en fait, locaux. On va même vous nourrir si vous allez faire don de votre sang. Donc, j'invite tous les gens à y aller. Nous, malheureusement, les élus, on va être en lac à l'épaule le 27 et le 28 toute la journée. Donc, on ne pourra pas y être. Mais donc, si vous avez l'occasion, je vous invite à y aller. En terminant, je lisais dans Le Devoir, dans la fin de semaine du 7 avril, en fait, un article qui m'interpellait sur une réflexion, en fait, en lien avec l'acceptabilité sociale des projets, donc des villes qui tentent de nouvelles formes de consultation publique, donc d'asseoir à la fois les promoteurs, les citoyens ensemble, donc tout le monde à la même table pour trouver des compromis. L'idée, c'est que le milieu de vie des citoyens soit modifié de façon positive à leurs yeux. Donc, dans le fond, il y a la ville de Sainte-Catherine en Montérégie qui expérimente, en fait, un nouveau programme qui est baptisé « Oui, dans ma cour ». Donc, d'asseoir tout le monde à la même table, on comprend que c'est un peu l'occasion d'expliquer, en fait, les enjeux pour chacune des parties prenantes, que les citoyens comprennent bien les investissements et, d'autre part, qu'on comprenne bien aussi parfois ce qui cause problème aux citoyens dans le développement, parce qu'on le voit, l'acceptabilité sociale, en fait, et les nouvelles formes de consultation donc, sont de plus en plus à l'ordre du jour. Donc, j'ai trouvé que c'était un article très inspirant pour faire une réflexion sur les consultations ou comment on amène tous ces gens-là, en fait, en amont dans le processus. Voilà, merci. Merci. Monsieur Demers. Oui, dans le cadre de la semaine du bénévolat, évidemment, moi aussi, je désire rendre hommage à toutes ces personnes qui font de Sherbrooke une ville, comme on dit, une ville qui est très, très dynamique avec une qualité de vie extraordinaire. Et puis, j'ai un coup de cœur aussi pour M. Constant Joly. Constant Joly est un bénévole qui a siégé à l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke au cours des 7 dernières années. Il a été notamment président du comité consultatif des comités des résidents, membre aussi du conseil d'administration de la Fédération des locataires en HLM du Québec, évidemment membre du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke. Il a démarré un jardin communautaire. Donc, il s'est impliqué énormément et là, pour des raisons personnelles, il nous quitte. Peut-être qu'on le reverra dans le futur, mais je tenais à souligner son implication d'une façon particulière, M. Constant Joly. Et puis, dans la même veine, lorsqu'on parle de bénévolat, on parle de plein d'organisations, dont le mouvement Scout. Je veux remercier les membres du conseil municipal, vous, M. le maire, et presque tous les membres du conseil municipal qui étaient présents, malgré toutes les occupations que vous avez, lors du cocktail Scout du 5 avril, qui a permis de ramasser la somme de 35 710 $ pour le mouvement Scout, qui, soit dit en passant, ne bénéficie d'aucune subvention. Donc, c'est grâce à la générosité du public, comme vous l'avez fait, comme les gens qui étaient présents au cocktail au manège militaire l'ont fait, ça va leur permettre de continuer leur œuvre. Merci. Merci. Madame L'Espérance. Bravo à vous, M. Demers, qui avez été le grand chef scout de cette levée de fonds. Alors, c'est vous qui avez motivé les troupes. Alors, je voudrais simplement rappeler aux artistes graffiteurs qu'ils ont jusqu'au 26 avril pour nous faire parvenir leur dossier de candidature pour pouvoir peindre le mur qui manque avant qu'on puisse dévoiler les artistes pour les 5 murs. Donc, 26 avril, c'est une date à retenir. Également, les artistes graffiteurs, encore une fois, ou encore les organismes à but non lucratif qui... principalement, on fait référence à ceux qui sont admis à la ville de Sherbrooke. Donc, le 30 avril, 8 heures du matin, pour l'appel de projet annuel dans le cadre, justement, des projets du comité Tag et Graffiti. Alors, donc, on attend vos projets avec beaucoup de hâte. Également, je voudrais féliciter toute l'équipe de Mme Malika Bajaj et de son président Pierre Javot pour la 5e édition du Festival du cinéma du monde de Sherbrooke,
qui a été vraiment une des plus belles, hein, des plus réussies pour ceux qui ont pu avoir la chance d'y aller. Elle a suscité un engouement du public et il y a des retombées qui sont indéniables pour Sherbrooke et particulièrement au centre-ville, mais pour Sherbrooke en entier, parce qu'un festival, on sait, quand ça gagne un prix, ça se dit à l'étranger. Et quand je suis allée voir des films, des fois, ça aide notre choix lorsqu'on sait qu'un film a été primé dans un des festivals de films. Alors là, il y aura des mentions de plus. Alors, il y a eu la famille syrienne notamment qui a eu le prix coup de cœur du public et le prix aussi pour la fiction. Alors, donc ça, c'est rare qu'on voit un film comme ça avoir les deux mentions parce que d'une part, c'est un jury puis de l'autre part, c'est le public. Mais comme quoi... Il faut croire que c'est un très bon film. Malheureusement, moi, à chaque fois, je n'ai pas pu aller voir parce que la salle était complètement remplie. Alors, je souhaite une sixième édition. Je sais que Mme Bajage disait qu'ils étaient déjà à pied d'œuvre dès aujourd'hui pour commencer la programmation de la sixième édition. Alors, merci et félicitations à tous, beau monde. Merci. Mme Bertol. Oui, j'aimerais féliciter un nouveau Fadoquien. Je pense que je viens d'inventer un mot. Quelqu'un qui vient de joindre la FADOC de la région Estrie, M. Stéphane Reynolds, s'est lancé un défi il y a 10 ans, alors qu'il était sédentaire et en surpoids, c'est-à-dire traverser le Canada à vélo. 45 livres en moins, fallait le faire, ça prend de la volonté, et des milliers de kilomètres de vélo plus tard, il se prépare pour le grand départ de son périple, 8800 kilomètres, le 1er mai prochain. Il faut le faire, ça c'est de la volonté. Alors, il demande à ce que les 50 ans et plus l'appuient. Si vous avez en bas de 50, vous pouvez donner aussi, là, avec aux deux causes qui lui tiennent à cœur, c'est-à-dire Autisme Estrie et le Fonds Sébastien Duchesne de la Maison Aube Lumière, une maison de soins palliatifs. Il aimerait aussi que des membres de la FADOC l'encouragent aux abords de son trajet ou même enfourchent leur vélo pour le suivre pendant quelques kilomètres au cours de son parcours. Et vous pouvez voir son parcours sur sa page Facebook REYST67, donc REYSTE67, ou encore au 8888kilomètres.org. Et M. Reynolds sera sur son vélo du 1er mai au 3 juillet prochain. Alors, M. Reynolds, c'est un gars qui s'implique beaucoup, longtemps à la Chambre de commerce de Fleurimont dans le temps. Et je pense que ça vaut la peine qu'on souligne cet effort, d'un, de perdre du poids, et de deux, de traverser le Canada. Et j'espère qu'il y aura la chance d'avoir de la belle température. Et je tiendrai à remercier aussi les météorologues qui, en fin de semaine, nous ont se sont vraiment trompés, si ce n'est que pour aujourd'hui. Madame Bertol, est-ce que vous savez quel est son point de départ, Maître Reynolds? Non, mais je peux vous le trouver d'ici la fin du conseil. Ce serait bien. Merci. Merci. Monsieur Deneau. Peut-être en lien avec les cyclistes, le 1er mai, on va ouvrir nos pistes cyclables sur le territoire de Sherbrooke. Ce soir, on vient de donner le contrat pour les 3 prochaines années pour l'entretien. Moi, je pense que ce serait intéressant que nos services de communication travaillent justement à mettre en place un plan de com pour peut-être dire aux gens où on est rendu, parce que chaque année, ça crée beaucoup d'attentes. De plein de ces choses-là, c'est sûr qu'on ne sera jamais prêt pour le 1er mai, d'avoir un point de vue communication, à savoir où qu'on est rendu, comment que ça va se faire. On parle éventuellement de l'arrivée du beau temps. On a commencé à voir de l'affichage temporaire sur les terre-pleins, ces choses-là, des compagnies de peinture. On va voir des résidences de personnes âgées, plein de promoteurs. Là, quelques années, on avait mis une ressource disponible aux services urbanistes les fins de semaine. Je pense que c'est intéressant de revoir cette même ressource-là et d'inviter les gens qui voient justement l'affichage temporaire sur les terre-pleins municipaux ou d'autres emprises de la ville, d'appeler au 821-5858. On a parlé de Parc Nature. Ce mardi, le 17 avril, c'est l'Assemblée générale annuelle du regroupement du Bois-Béquette. Ça se passe à 19h au Centre communautaire Françoise Donne. Il y aura une présentation de la caractérisation de la deuxième partie du Bois-Béquette qui sera faite. Donc, on invite l'ensemble de la population à être présent pour cette Assemblée générale. Merci. Merci. Madame Godbout. Oui, alors, avec la diffusion en direct du conseil municipal sur le web, les citoyens profitent de l'occasion pour nous écrire en direct sur les médias sociaux. C'est très sympathique, mais c'est impossible pour moi de vous répondre en direct. En fait, il serait très mal vu sur les médias sociaux pendant les séances du conseil.
Ceci étant dit, ça fait deux fois qu'on m'interpelle pour que je fasse une mise au point sur le dossier du déménagement du bureau d'arrondissement. Le 8 mars dernier, il y a eu un article sur le dossier du déménagement du bureau d'arrondissement. L'article titrait « Bureau d'arrondissement, une décision attendue de l'exécutif ». Depuis, le comité exécutif a effectivement donné des orientations au dossier. D'abord, je rappelle aux citoyens que l'acquisition du 950 rue au Bois-Sud s'est faite avec la volonté de créer un seul pôle de services municipaux dans le secteur et surtout d'y ancrer une offre en loisirs unique permettant d'offrir un lieu de rassemblement et de stimuler un plus grand sentiment d'appartenance dans l'arrondissement. En effet, puisqu'on y retrouve déjà un centre culturel, une bibliothèque, des terrains de tennis extérieurs et intérieurs, un centre récréatif dont le réaménagement de sa partie est, où il y a les terrains de squash, nous avons des éléments clés pour aménager un plateau de loisirs. Plusieurs orientations demeurent à définir en ce qui concerne l'aménagement de notre plateau de loisirs. Depuis le mois de février dernier, un comité de travail pour lequel j'ai accepté la présidence est en action pour faire avancer les réflexions. D'ailleurs, nous souhaitons impliquer les résidents de l'arrondissement dans cette démarche. Une consultation citoyenne est prévue pour l'automne prochain. De son côté, la division des sports est à revoir sa structure et cela pourrait avoir comme conséquence que les besoins actuels ne reflètent pas des besoins futurs. Donc, puisque l'acquisition du 950 rue Aubois constitue une bonne affaire dans ce contexte, au même titre que d'aliéner le bâtiment du bureau d'arrondissement actuel au moment où sa valeur sera augmentée par la mise en service du boulevard René-Lévesque, la division des bâtiments a recommandé au comité exécutif de maintenir le statu quo quant à l'utilisation du bureau actuel de l'arrondissement numéro 1 et qu'un mandat soit donné à nos services pour trouver un ou des locataires pour occuper le 950 rue Aubois pour une période de 3 années avec 2 années d'option, renouvellement d'une année dans l'attente que les orientations concernant ce secteur soient bien définies. Donc, il m'apparaît important de laisser le temps à toutes les parties prenantes d'analyser leurs besoins, de faire le travail nécessaire pour développer un projet structurant pour l'arrondissement numéro 1. On veut une forte adhésion de la part des citoyens et surtout un projet dont les résidents et les résidentes seront très fiers. Donc, dans cette même lignée de stimuler un sentiment d'appartenance, je vous rappelle que la démarche de sélection d'un nom pour notre arrondissement suit son cours. Ainsi, cette semaine, à partir du 19 avril, il y aura une distribution des deuxièmes billets aux résidents. Alors, je vous annonce donc que les 3 noms qui seront sur le pamphlet seront arrondissement des Forêts et Rivières, arrondissement de Brampton-Roqueforest-Saint-Élie-d'Auville et arrondissement 10-55. Donc, la période de votation aura lieu jusqu'au 29 avril. Alors, on invite les citoyens soit à remplir le signet qu'ils recevront par la poste, le déposer au bureau de l'arrondissement, ou encore sur Internet, il sera possible de voter. Donc, voilà. Puis, dernier petit point que je voudrais ajouter pour faire du pouce sur ce que les propos là, de M. Pascal Cyr. En fait, je voulais pouvoir rappeler aux gens, puis de mettre en perspective un autre élément, c'est que, effectivement, je m'en entreprise avec mon conjoint depuis 2000 dans le domaine des technologies. Et c'est sûr que nous sommes une famille d'entrepreneurs et une famille d'entrepreneurs dit l'eau de risque de haut et de bas. Et lorsque j'étais sur le CA de Sherbrooke Innopol, à un moment donné, il y avait mon conjoint a commencé à faire affaire avec Sherbrooke Innopol parce que vous avez vu l'automne dernier qu'il a lancé un projet de dépanneur intelligent, tableau d'affichage sportif, entre autres, aussi intelligent par Internet, tout ça. Alors, moi, je me demandais est-ce que je devais rester. J'ai vérifié avec le code d'éthique qu'on a à Sherbrooke Innopol si je devais rester ou non sur le CA. Et la réponse a été oui, si ce n'est qu'à un moment donné, s'il y a une demande de financement. Alors, je suis restée maintenant en cours de mandat de l'accompagnement de mon conjoint pour son projet d'affaires. Il y a eu un programme qui a été en
il y a un programme qui a été mis en place qui s'appelle Vitrine technologique. Et entre les deux mandats, moi, j'ai demandé, quand j'ai rencontré Steve, lorsqu'on parlait des différents comités, j'ai demandé à ne pas retourner à Sherbrooke-Innopole, notamment pour ne pas me retrouver en conflit d'intérêts par rapport au dossier du projet d'affaires de mon conjoint. Alors, c'est la raison pour laquelle, entre autres, je n'étais pas retournée à Sherbrooke-Innopole. Alors, tout ça pour vous dire que demain, il y a une conférence de presse qui est annoncée par Sherbrooke-Innopole pour un programme de vitrine technologique auquel l'entreprise, mon entreprise, qui est menée surtout par mon conjoint parce que je ne suis plus vraiment dans l'entreprise, recevra une aide financière soutenue demain pour le projet de vitrine technologique. Donc, je voulais le dire, c'est sûr que c'est toujours un peu délicat. Est-ce que parce que... il y a un projet d'affaires qui est, et que parce qu'on est on est conseillère municipale, on n'a pas le droit d'avoir droit au programme existant, bien, c'est sûr que c'est délicat. Je voulais être très transparente, mais en même temps, c'est un projet porteur. On souhaite que nos entreprises innovent. C'est ce que lui fait. Et voilà. Donc, vous pourrez avoir les détails demain. Je ne voudrais pas les donner ce soir, mais tant qu'être dans le bain, je souhaite en parler au complet. Merci. Monsieur Havard. Pas de message. Monsieur Tremblay. Alors, je ne voudrais pas revenir sur les paramètres qui nous ont été proposés concernant le lac à l'épaule qui va se tenir dans les jours à venir, là, plus précisément à la fin de la semaine prochaine. Toutefois, j'aimerais ça m'assurer que nous allons parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et aussi... aux gens de la population de Sherbrooke, qui est le centre de foire. Je tiens mordicus à ce qu'il y ait une période du lac à l'épaule qui soit consacrée à ce sujet-là. Je pense qu'il est grand temps de s'interroger sérieusement sur l'avenir de cette superstructure. Est-ce que Destination Sherbrooke est le bon véhicule pour gérer le centre de foire? Quant à moi, j'ai des sérieux doutes. Depuis le début, le centre de foire ne joue pas le rôle qu'il devait jouer originalement. On disait du centre de foire qu'il devait être ou qu'il deviendrait un moteur économique pour la ville de Sherbrooke. Juste pour se rafraîchir la mémoire un peu, les trois paliers de gouvernement fédéral, provincial, municipal, a investi près de 30 millions. C'est sûrement pas pour faire des parties de Noël ou encore des réunions mondaines. Je lance le défi à tout le monde de me nommer cinq activités d'importance qui se tiennent durant l'année. Personnellement, j'ai de la misère même après réflexion, mais je vais quand même vous en nommer trois qui me reviennent à l'esprit plutôt rapidement. Le Salon du livre. Il y a également... Je peux m'aider. Salon de l'habitat. Salon de l'habitation. Métiers d'art. Merci, M. Deneau. Salon des métiers d'art. On vient de connaître le Salon du VR, je crois, là, dernièrement. Bref. Tout ça pour dire qu'on a des sérieuses, mais très sérieuses questions à se poser tant qu'à l'utilisation et le droit de pas le droit, mais excusez-moi, j'ai perdu le fil un peu en cherchant les activités de ce que doit être le centre de foire, donc ce fameux moteur économique-là. On a parfois l'impression d'avoir reconstruit un autre Serras en un peu plus gros. Pour moi, un centre de foire, c'est un business. C'est un domaine très spécialisé. Il doit être géré par des experts du domaine, des foires et des expositions. Autrement dit, ça prend des gens compétents dans leur domaine, plus précisément celui-là. Donc, je verrais très bien, et pourquoi pas, une formule publique-privée pour la gestion du centre de foire. Bref,
En conclusion, je désire qu'on s'y penche sérieusement et je souhaite qu'à notre retour du lac à l'épaule, le Conseil ait pris une décision claire sur la gouvernance future de notre centre d'affaires. Merci, M. Charron. Bon, je voudrais inviter nos citoyens à notre activité de grand nettoyage. Samedi le 21, de 10h à 12h, à la salle des Médé-Baudouin, on va se rencontrer. Puis, il va aussi un service de déchiquetage gratuit si les gens veulent apporter le papier important. So, I just want to say it in English. There's a community cleanup activity, and I want to invite our citizens to participate. We normally have a lot of volunteers that come around. It says volunteer week, so that's a good thing. So, Saturday, April 21st, 10 to 12, and there's a free shredding service offered, so everybody's welcome. Thank you. Madame Mertel, est-ce que vous avez trouvé le lieu de départ de... Oui, Madame la Présidente, alors le départ se fera à 7h15 le 1er mai prochain chez Dasvelt Auto, un partenaire de M. Reynolds, Yannick Dallaire, toujours bien impliqué dans sa communauté. Ça peut être c'est un très bon bénévole aussi, Yannick. Alors le 1er mai, 7h15, on y va toutes les deux? Oui. Oui, pour l'encourager? OK, oui. Parfait, chez Dasvelt Auto, faire le tour du Canada. Moi, j'ai eu ma carte aussi cette année, hein. Ben, ça te tente-tu? Moi, ça fait longtemps que c'est fait. Madame l'Espérance, je vais vous permettre de revenir sur le nom des proposés pour votre arrondissement. En fait, les cinq noms qui seront soumis à la consultation, c'est Madame Godbout qui m'a fait remarquer que j'avais oublié de mentionner ces cinq noms-là. Alors, les citoyens de l'arrondissement numéro 4 auront le choix entre les cinq noms que je vous nomme. Alors, l'arrondissement des Nations, l'arrondissement du cœur de la cité, l'arrondissement de Bellevue-Beckett, l'arrondissement de la Rivière-Magog et l'arrondissement de Jacques-Cartier-Mont-Bellevue. Voilà. Merci. Alors, Monsieur le maire, il y a un petit mot, quelques mots d'ailleurs, pour féliciter les citoyens et citoyennes de Sherbrooke qui se sont rendus encourager jusqu'au bout le phénix de Sherbrooke. C'est la première fois qu'ils se rendaient en deuxième ronde. Et c'est quelque chose, tantôt on a évidemment parlé avec le maire de Batters, c'est moi qui ai mis le chandail, mais l'an prochain, si on se retrouve dans la même situation, on va tout faire pour que ce soit lui qui mette le chandail. Alors, félicitations au phénix de Sherbrooke. Un petit mot pour féliciter une entreprise d'ici qui a fait quelque chose quand même d'assez impressionnant. Alors, écoutez-moi, Défi Polytech, pour que les gens connaissent Défi Polytech, alors l'entreprise s'est vu accorder une attestation performance de niveau 3. Niveau 3, c'est l'échelon où on a une saine gestion des matières résiduelles. Et j'espère que tout le monde est bien assis parce que j'ai jamais vu ça jusqu'à maintenant. Alors, Défi Polytech a atteint un taux de valorisation de 98,66%. Alors, je félicite et un gros bravo à M. Serge Sylvain, directeur général, et à toute son équipe. Il faut le faire. Alors, j'encourage les entreprises à faire de même. On serait en bonne voie. On a eu un week-end riche en activités pour ceux qui ont suivi. Alors, on a eu premièrement, ici même à l'Hôtel de Ville, merci beaucoup, M. Jean. Madame, bonjour, merci beaucoup à vous également, Jennifer, de vous être déplacée pour le droit de cité qui a eu lieu ici même à l'Hôtel de Ville, comme je disais, en collaboration avec les fusillés de Sherbrooke. C'était vraiment, vraiment bien. C'était pas arrivé depuis 1982, le droit de cité ici même. Ensuite de ça, on s'est rendu au Challenge des aventuriers pour santé globale qui se passait à Saint-Élie-d'Orford. Merci beaucoup, M. Lachance, c'était dans votre district. Vous êtes venu assister aux 5 à 7 de l'événement par la suite pour ramasser des fonds pour Santé globale qui en avait grandement besoin. Et j'encourage les jeunes, évidemment, à poursuivre aussi. On avait ensuite le souper régimentaire où j'ai pu rencontrer plusieurs personnes où ils sont en mode emploi en passant. Alors, pour les gens, là, peut-être d'âge plus cégep, ils sont en mode emploi actuellement. Environ une centaine d'emplois demandés. Dimanche, il y avait le gala reconnaissance des bénévoles Saint-Élie, Deauville et Rock Forest. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Merci beaucoup. Il y avait Mme Bergeron, il y avait M. Tremblay, il y avait évidemment Mme Godbout, moi-même, j'en oublie pas. Et Monsieur Lachance, désolé. Monsieur Lachance également, où on a pu remettre des prix aux bénévoles. Et ça me fait toujours chaud au cœur de voir
comment les gens se rassemblent. À écouter 200 personnes réunies tous ensemble pour la fête bénévole de ce secteur-là. Alors, gros bravo aux organisateurs surtout. Ensuite, on s'est rendu au centre de foire. Alors, au centre de foire, ce qu'il y avait, et je dois le dire, salle pleine capacité cette fois-là, probablement. Alors, j'ai le salon des animaux de compagnie. Je félicite sincèrement les organisateurs. Oui, c'était, on m'a même demandé d'arriver un petit peu plus tard, c'était vraiment sale comble ce week-end. Alors, c'est quelque chose, 500 nuitées pour cet événement. Évidemment, on a eu un succès, un gros succès également au Festival du cinéma du monde. Je voudrais dire une félicitation à Louis-Charles Blais, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu les médias. Alors, Louis-Charles Blais, c'est le jeune lauréat du Cercle d'art court-métrage de l'Estrie. Le nom de sa réalisation est « Le dernier jour ». Alors, « Le dernier jour », c'est, j'invite les gens à pouvoir peut-être aller voir ça. Une semaine, d'ailleurs, qui s'annonce riche en événements, toujours. En effet, demain, mardi le 17, c'est le buffet au buffet des continents. La soirée hommage aux bénévoles, toujours dans la semaine des bénévoles. Alors, il va y avoir beaucoup de gens, je crois qu'il y a beaucoup d'élus qui vont y être. Jeudi, le 19 avril, au centre de foire, c'est la 21e édition du souper gastronomique L'Envol en croisière de la maison Aube Lumière, qui est un bel événement. Alors, j'y serai. Et vendredi, le 20, au Théâtre Granada, le gala reconnaissance Estrie, ouverture sur le monde organisée par la Chambre de commerce de Sherbrooke. Alors, je pense que j'invite les gens à voir s'ils n'ont pas pris de billets encore, de regarder le tout. Enfin, du 22 au 28 avril prochain, ce sera la semaine nationale de dons d'organes et de tissus. Alors, j'invite les conseillers à pouvoir aller voir tantôt Sylvain, qui va vous remettre un petit ruban pour cette occasion. Alors, il en a pour les conseils d'arrondissement, entre autres. Hein? Ça pourrait être très, très bien. Et je complète, c'est-à-dire, j'ai deux petites choses à dire. J'ai été à l'écoute de M. Tremblay. Oui, bon, le centre de foire, c'est des choses aussi qui me préoccupaient. C'est un environnement peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, mais on va le regarder dans un avenir. Je crois que pour l'instant, il y a quand même des bons collaborateurs. Il y a eu d'ailleurs une réunion qui s'est passée la semaine passée, si je ne me trompe pas, où j'étais présent. C'était passé mercredi ou jeudi, où on a eu la démonstration que le centre de foire, bon, il y avait peut-être des choses à regarder au niveau des événements, mais évidemment que pour l'instant, il y aurait eu une rentabilité sur le centre de foire. Alors, ça sera à voir dans les semaines à venir au niveau des états financiers. Je voudrais dire aussi un gros bonjour à ma conjointe. C'est sa fête et elle est ici dans la salle. Alors, bonne fête, Pascal! Et on va avoir un petit problème parce qu'on a une émission de télévision qui dure 2 heures et on le fait le conseil en moins de 2 heures. Alors, M. Gosselin, on pourra mettre peut-être la publicité. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup et à la prochaine pour le plénier de lundi prochain. Merci. On pose Monsieur, on est en arrondissement, M. le maire. En arrondissement. Désolé, bon bien, je voulais me remettre d'autres réunions. Alors, on se voit au mois de mai. Alors, M. Pierre Havard propose la levée de l'Assemblée. Merci.